Swan Bagger, cher Néo le gourmand. Je vous adore depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 8. Désolé si je me suis même pas présentée, je m'appelle Tino. Si vous voulez me répondre, mon adresse est au dos de la lettre. Tino, votre meilleur fan. Bon bah super, on va lui envoyer une dédicace à Tino. Bah oui, bien sûr. Alors, son adresse... Tiens, il y a une grosse lettre marron, mais pas de timbre. C'est bizarre ça. Oh ouais. Tu ouvres ou j'ouvre? Bah allez, ouvre là, je sais que t'as meurs d'envie là. Merci mon gars. Alors voyons voir à l'intérieur. Oh, attends, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. On prend ça, toi. What? Félicitations, Swan et Néo. Vous êtes les grands gagnants de notre concours pour remporter une villa de luxe. Rien que ça, quoi. Ah ouais. C'est une blague. Voici les clés de votre nouvelle maison. Vous êtes chez vous? Non, c'est une blague. Attends, il y a vraiment les clés? Swan et Néo, cette enveloppe contient l'adresse et les clés de votre nouvelle maison. Oh, vas-y, vas-y, fais voir les clés. C'est vrai que c'est lourd en plus. Non, mais c'est des fausses clés. Attends, mais abuse pas, Swan. Attends, c'est un vrai concours, c'est pas une blague. Non, mais c'est toi qui as participé au concours, hein? Bah non, c'est toi qui as participé. Ah non, j'ai pas fait moi, c'est un abonné qui a pris une place ou quoi? Sûrement, ouais. Oula, il y a plein de choses là. Ouais, d'accord. Adresse de votre maison. Adresse de votre maison. Et clé? Et clé? Mais attends. Une vraie clé? Une vraie clé? Oui, attends, mais. Wow! C'est une vraie clé? Attends, il y a l'adresse là? On a vraiment gagné une maison? Il y a l'adresse qui est juste ici. Oh, génial! Oui, il y a vraiment l'adresse. Swan, oh, attends. Ça se trouve, c'est un prank. On va y aller, tu sais quoi? J'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, on va y aller. C'est bon, on y go. Ok, on y va. Mais j'y crois toujours pas. Hein. D'après le GPS, on arrive à la maison dans 2 minutes. Oh, ça va être trop bien, je crois. Moi aussi. Et Néo, t'imagines, c'est juste un panneau où dessus c'est marqué. Ah, je vous ai bien trouvé. Oh non, ce serait horrible, mais en vrai, je pense que c'est un prank. Hein. Bon, on y est. D'après le GPS, on est devant la maison. Je n'ose même pas regarder. Oh ouais, pareil. J'espère que c'est pas un prank. Hein. Oh là là, mais Swan, de toute façon, t'as pas participé à de concours. Bah ouais, toi, t'as participé à un concours? Bah non, moi non plus. Hein. Oui, ça peut pas être un prank. Ouais, ça me paraît hyper bizarre. Hein. Ok, moi, je n'ose pas regarder. Ah ouais, pareil. Mais waouh, c'est incroyable. Non, non, attends, Swan. Oh là là, c'est magnifique. Oh ouais, hyper beau. Oh, vas-y, on fait le tour, là, let's go. On y va. Waouh, c'est magnifique. Oh, elle est insane. Ouais, voilà, on refait un tour, mais cette fois, on regarde un peu mieux, ok? Ouais. Mais déjà, là, il y a une piscine. C'est dingue. Et puis là-bas, Swan, il y a mon rêve. Mais aussi mon rêve. Non, non, c'est moi qui le prends, ok? Non, c'est moi! Ah, ça, c'est un baby! Ouais, la prochaine fois, on fait chacun notre tour, hein. On verra, on verra. Allez, hop, Swan, un peu de sensation maintenant. Yeah! Wouh! T'arrives plus maintenant, allez, hop. Voilà! Bon, maintenant, je vais à la balancelle. Allez, go. Trop bien! Ah ouais, trop bien! C'est parti, Swan? Oui! Tété! Oh, mais cette maison, c'est trop bien! On va essayer de pas trop secouer! C'est incroyable. C'est un truc de ouf, c'est clair. Non, mais t'imagines l'intérieur. Ça se trouve là, cette maison, genre c'est juste une déco. Enfin, ça appartient à quelqu'un, tu vois. Ah ouais, genre, on a une clé, mais ça se trouve, c'est peut-être pas celle-là en fait. Ça te dit qu'on essaye de l'ouvrir quand même. Bien, mais d'abord, on finit d'explorer l'extérieur. Allez. Waouh, il y a même un jardin. Et un barbecue. Ouais. Quoi? Je suis trop fort, moi. Il y a même un petit jardin. Ah ouais, c'est trop bien. Il y a plein de citrons. Oh, ils sont énormes en plus. Il y a même un garage. Bah oui, non, c'est pour ta future voiture. Dans un an, c'est bon, hein, t'as le permis. Ah ouais, j'avoue, bientôt. Ok, bon, Swan, t'es prêt pour le grand moment, là? Ouais, je suis prêt. Les extérieurs, tout ça, c'était super. Oui, maintenant, c'est au grand moment. Il faut voir, c'est notre clé pour ouvrir cette porte. Si elle rentre, c'est waouh. Par contre, si elle rentre pas, c'est qu'on est chez quelqu'un et qu'on doit dégarpir très, très vite. Exactement. À toi l'honneur. Merci, Léo. Attends, Swan, c'est pas la bonne clé? Bah je sais pas hein, vas-y essaye. Mais sérieux, tu m'as ouvert une porte en fait. Oh, mais attends. Attends, c'est la bonne clé ça. Ça rentre et ça marche. Parti. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme hein. Tellement stylé. On a une maison pour nous tout seul. Bah ouais, on a pas gagné, c'était pas une blague. Mais c'est un truc de... Non mais Swan, tu te rends compte? Attends Swan, je ferme. T'es sûr que c'est pas quelqu'un? Genre, y'a quelqu'un? Eh oh! Vraiment, y'a personne, hein? Regarde Néo! Quoi? Y'a un boy avec plein de trucs! Wow! Swan et Néo, bienvenue dans votre nouvelle maison! Voici un panier d'accueil avec plein de gourmandises pour rendre votre emménagement encore plus agréable! Oh! Mais non! Attends, y'a des Pringles, des Oreos! Des Joy, des Oreos, des popcorn! Mais y'a plein de choses, j'ai régalé, j'ai trop faim là! Mais pourquoi on nous apporte tout ça là? On a une maison, on a plein de choses! C'est incroyable!
incroyable. Attends, on n'a même pas tout visité là. Ouais, j'ai vu, hein. Je te demande même là. Réveille-toi, qu'est-ce que tu veux, j'étais là à te réveiller. Ouais, non, c'est bon, je suis vraiment réveillé. Oh, regarde cette télé, regarde, on est trop bien installé là, c'est magnifique. Wow. Pour tout visiter là. Let's go. Mais wow. Mais il y a tellement de salles, on commence par quoi? Par là. Par là, ok, je te suis, vas-y, vas-y. Oh, c'est la cuisine. Oh, mais ça, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Incroyable. Oh. Et depuis ici. Bon là c'est tout ce qui est buanderie, hein, tout ce que je vois. Et tout ça c'est pour nous? Pour nous tout seuls, nous deux. Mais Néo, on a trouvé une nouvelle plante pour tous nos bonbons et nos sucreries. Mais tellement. Bah ouais, il y a tellement de bagages et tout. Bah je vais nous visiter nos salles là. Oh non. On a les toilettes. Oh non, mais même les toilettes sont chieuses. Tu vois, ils sont incroyables. Bon allez, papa il est resté maintenant. Il a pas sonné une chambre. Wow. Oh, elle est énorme, c'est dingue le truc. Oh là là, c'est ouf. T'as vu la taille d'Ulysse? Oh là là, on est tellement bien là. Oh, il est hyper confortable en plus. Mais attends, on a pas vu la salle de bain? La clé. Il y a une salle de bain là? Oh là là, la salle de bain est incroyable. C'est archi stylé. Non mais rien que cette chambre là, elle est ouf. Je sais pas combien il y a de chambres, mais déjà celle-là, je la prends, d'accord? Ouais, pareil. Moi, je la prends. Là, c'est ma salle de bain. Je peux mettre tous mes affaires. Voilà, tu comprends, Swan? T'as capté là? Ah ouais. Il y en a plusieurs, je pense. Tu penses? Bah on y va, on va voir. On y va. Mais Néo, t'imagines, il n'y a qu'une chambre et on va devoir se la partager. Ouais, mais vu la taille de cette chambre-là, franchement, ça va. Ah, c'est marrant quand je me rends dedans. Coucou Néo. Salut Swan, ouais, il est excellent ce placard. Oh mais Swan, on va faire des cache-cache dans cette maison. C'est dingue. Oh bah c'est incroyable. Ok, prochaine chambre. Allez, on y va. Alors Néo, par contre, prochaine chambre, on est d'accord? Là du coup, on a fait la chambre. Ouais. Ça c'est l'entrée. Okay. Il y a pas la cuisine. Là il y a des placards. Là il y a des placards quand même. Attends, ça me regarde. Mais c'est immense. C'est ouf comme c'est grand. Bah donc du coup on a terminé la visite de la maison là, non? On a tout fait. Non non, regarde. Ta-da-da. Il y a un escalier carrément, il y a un deuxième étage. Où tu vas y arriver? Allez ouais. Let's go. Deuxième étage. Waouh, regarde comme c'est grand. Incroyable. On commence par quoi là? Il y a plein de salles déjà. Ok, je te suis, hein, mais... Non, c'est pas vrai. C'est une deuxième chambre. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas à se partager la chambre. Hein. Alors là, clairement, merci. Voilà. Oh, ouais, enfin, là, je suis bien. Ah, c'est trop bien. Voilà. Mais c'est normalement, il va dire. Ah, ouais, carrément. Ah, oh, ouais, c'est énorme. Salut, ça va, ça va. Oh, mais des cache-cache, je le redis encore une fois, hein, mais des cache-cache de dingue. On va faire ici. Je vais voir la salle de bain, Swan. Je veux la voir. Oh non, j'ai le seum, elle est trop bien cette salle de bain. Eh ouais, elle est mieux. Attends, il y a une baignoire ici. Oh bah regarde, ça se voit que c'est ma salle de bain. Il y a moi. Oui, Swan, effectivement. Et attends, la salle de bain, c'est moi? Genre, pour s'allonger, genre, il n'y a qu'un petit Swan qui peut s'allonger. Ouais, j'avoue que c'est vraiment ma salle de bain. Et là, t'as une douche. Oh le rêve, quoi. La zone, ta baignoire, elle a pas le même truc que moi. Je crois qu'elle est balnéo. Attends, balnéo. Ouais, on va voir après, on va voir. En tout cas, cette chambre, elle est incroyable. Et puis ouais, la clim, quand même. Ah oui, aussi. Tu as même ton petit bureau là pour t'installer. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est cool, ouais. T'es au confort là, comme ça. Hein. Hé, hey, t'as pas de bureau. Attends, si, attends. Faut que je revoie ma chambre parce qu'il y a ouais, tellement de choses, j'ai pas tout enregistré. Hein. Ok, du coup. Il y a des LED là-bas. On va voir ça à la fin. J'ai l'impression que c'est une grosse salle. Ouais. On va passer ici. Oh, c'est encore oh, une chambre. Mais attends, mais il y a trois chambres. Oh, on est oh, deux seulement. Test, oui. Test, oui. Oh, tellement confortable le matelas. Oui, c'est toi, c'est plus mouillé. Alors, Swan, finalement, tu as peut-être changé d'avis? Bah non, waouh! Elle est super stylée, celle-là. Ouais, trop bien aussi, hein. Une grosse baignoire ici. Plein de fleurs. Ouais, bien décoré. Oh là là, ouais, trop beau. Là, c'est vraiment le genre de salle de bain où t'as envie d'y passer 24 heures. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais du coup, Swan, c'est quoi cette chambre? C'est la chambre d'amis. Ok. Tu vas avec des potes, il y en a un qui vient ici, un autre dans mon outil dans la chambre, un canapé. Non, mais on va pouvoir faire une méga vieille salle. Tellement. Donc Swan, par contre, il y avait vraiment un truc là où je vais me poser des questions. Ouais. La grande salle avec des LED là. Quoi ce truc? C'est une boîte de nuit? Je comprends pas. C'est fermé? What? Ah oui. Oh. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc énorme? Mais c'est magnifique. C'est immense, ouais. Et Néo, tu veux dire quelle couleur la salle? Ah oh, d'accord, elle est grande. Je fais comme tu veux, hein. Je donne des ambiances très d'horreur, tu sais. Oh, je me suis ici. Cette salle immense, donc tellement de trucs dedans, ça va être plein de challenges, plein de choses. Bah, tu vois, il y a un petit bureau ici. Pour tout ce qui est manuel ici, ça va être très confortable. Hein. Ouais, j'avoue, hein. Il y a d'un bureau en pierre. Non, mais ça, c'est la meilleure salle ici. Là, soit c'est le soir, mais quand il fera grand jour et tout, elle va être illuminée, tout ça, ça va être trop beau. Ouais. Je suis trop impatient. Et moi, j'ai trop envie de tester cette télécommande. Je vois ça, je vois que t'es intéressé là.
Voilà, c'était en mode normal. Soit on descend dans ma chambre, on va voir si j'ai un bureau et se passer où. Ok, on va voir. On va voir si on a une grande vérité. Alors, Léo, franchement, ton lit c'est vraiment plus grand de la maison. Tellement. Et j'ai un bureau. Et voilà, on va voir ta maison du coup. Ouais, Léo. Ah oh, oh, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai vraiment. Trop bien. Ah, et oui, c'est énorme. Léo, je sais pas, tu pourras prêter ta baignoire des fois, je te prêterai la douche. Ouais, on verra. Un marché, un marché. On a tout visité là. Ouais, je crois bien. C'était énorme en tout cas. Tellement bien. C'est incroyable. Waouh. On mange un petit peu, Léo. Là, je vais faire plaisir. Moi, je fais le Pringles. Allez, on va aller sur les roues. Allez, c'est un perdu, ça, mon cœur. Franchement, je serai plus tard. On profite encore un peu, mais là, il était bientôt nuit, et on a toujours pas dit aux parents où on était, hein. Ah oui, voilà ça. Donc, on va vite rentrer dans l'autre maison. Ah oui, l'autre maison, du coup. Bon, allez, il est temps d'entrer. J'ai un peu le seum, là, mais... Oui. Ouais, bah, on y reviendra demain, hein. Ouais, bah oui, direct. De toute façon, on connaît les clés. Ah ouais. On va récupérer les clés, justement. J'ai pas la clé. Où la clé? J'ai déjà d'avoir mis là. Swan, je l'avais mis là, tu la poses. Non, j'ai pas prise. Mais attends, mais elle peut disparaître mystérieusement là, c'est possible. Bah, t'as peut-être fermé la clé, ensuite t'as pris la clé et tu l'as mis quelque part. Mais non, mais j'ai. Non, faire ça, c'est pas possible. Je me rappelle bien, je l'avais mis ici. Comment ça se fait alors? Comment c'est possible? Bizarre. Mais de quoi bizarre? Mais Swan, c'est. On fait comment là? On est coincé. J'étais sûr d'avoir mis ici, elle peut pas. C'est bon, tu as compris cette clé. Mais non, Swan, je suis certain que je l'avais mise ici. Elle n'a pu disparaître ni aller ailleurs. Elle va se promener, elle n'attrape pas la clé. Je me trompe. Mais j'avais levé tes poches, tu as peut-être mis dans tes poches. Bon, là, j'ai la lettre là, tu vois, elle est là. Mais j'ai pas les clés dedans, je l'ai sortie. Là, j'ai mon tel. Hein, j'ai rien ici. Moi, j'ai rien. Là, j'ai mon masque Covid. Non, j'ai pas de clé, hein. J'ai rien. Et toi? Oui, j'ai rien. Mais en fait, comment? Maintenant, elle peut être n'importe où, genre. On se base. Et donc, on va se téléporter la clé, on fait comment? Soit on est coincé dans cette maison et il fait une nuit quasiment. Bon, réfléchissons, où tu as mis cette clé? On venait d'ouvrir la maison, on était tout content, on avait la clé à la main. Ensuite, j'ai fermé la porte et je l'ai mis dans la serrure. Et j'ai même pas fermé la clé, je l'ai juste laissé et on est parti faire la visite. Qu'est-ce que tu viens de dire là? T'as pas fermé la clé et que la clé est de l'autre côté de la porte? Vu que moi je sais que t'es hyper distrait, ouais, je pense que t'as laissé la clé dehors. Mais bah, du coup, on fait comment? Faut qu'on trouve une solution pour en sortir là. Allez, vite! C'est fermé. Alors, on va faire comment? Alors, on check les fenêtres. Alors, celle-là, je crois pas qu'elle s'ouvre. Ça ne veut plus. On est bloqué, on fait comment là? On a qu'à fouiller les fenêtres d'un autre étage. Non, mais oui, on va sauter du deuxième étage, bien sûr, oui. Néo, je crois bien qu'il y a une porte dans la cuisine. Okay. On y va. Allez. La cuisine? Ouais, si, il y a une porte, mais je crois bien qu'elle est fermée aussi. Oh non, c'est fermé aussi. Non! Non! Là aussi? Je crois bien. Ah, ouais. On est coincé, oh, soit. Non, peut-être dans la chambre, il y a une porte-fenêtre. Ok. C'est fermé aussi, super. Débloqué. On fait comment là? Et bah. C'est quoi? Il y a la solution, où ça marche sur le lit? Non, là, bon, ils vont s'inquiéter. Oui. On est bloqué dans une maison, ils savent pas où on est, on fait comment? Si ça se trouve, on n'a pas bien tenté la porte d'entrée. Allez, viens, on va retenter la porte d'entrée. Allez, cochon, on va. Let's go. Ah ouais, allez, viens faire ma clé. On est enfermé à clé dans une maison. Il fait nuit, nos parents ne savent même pas où on est. Et on sait pas qui nous a ouvert cette maison. Là je pense qu'on peut s'inquiéter. Nuit, nos parents ne savent même pas où on est. Et on sait pas qui nous a ouvert cette maison. Là, je pense qu'on peut s'inquiéter. Ah, on se calme. J'ai trouvé une solution. Il faut réfléchir calmement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais rien, Léo. C'est pas vrai, non. Bah, déjà, il y a le canapé pour nous répondre.
Vraiment, ce qui me fait stresser surtout, c'est que j'espère qu'il n'y a personne. Oui, j'avoue, c'est peut-être un piège, hein. Peut-être qu'on peut mettre dans un secrétaire. Il y a Pringles, c'est peut-être pour ça. Swan, sérieux, arrête là. Faut réfléchir. Oui, j'avoue. J'ai pas prévu les parents, mais. Non, j'ai une idée. Quoi? Essaye de passer un coup de fil. Bonne idée. Attends, y'a pas de réseau? J'ai fait l'appel, mais ça passe pas. Aucune connexion. Non, y'a pas de réseau, non! Mais comment, Swan? On habite à paumé à quelque part. Bon, Swan, pour la serrure, ce dont je me rappelle, c'est que on s'apprêtait à entrer, j'ai ouvert avec la clé, ensuite on est rentré, j'ai repris la clé, je l'ai mis dans l'autre serrure, et après on est parti, j'ai pas fermé la clé. Et là on revient, il y a plus de clé, et c'est fermé la clé. C'est trop bizarre, hein. Ça a aucun sens. Et non, moi je sais que t'es hyper distrait, je suis sûre que t'as laissé la clé dehors de l'autre côté, et que c'est bloqué, et que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est fermé la clé. Mais Swan, ça va, je me rappelle, là tu peux passer pour un fou ou quoi? T'es monté distrait, c'est à cause de toi qu'on est coincé. Yo, tu sais que tu fais rien ça, tu calmes, oui. Je n'ai jamais dû te suivre, t'es tout le temps hyper distrait, t'oublies toujours tes affaires. Swan, on est coincé dans une maison, on sait même pas s'il y a quelqu'un, il fait nuit, on n'a pas contacté les parents, et mon téléphone il passe même pas. Donc je suis déjà bien assez stressé comme ça là. Ah oui, bon d'accord, je me calme. Moi aussi je me calme, on réfléchit. Alors, il y a qui? Oui. Toi tu me dis que la clé est à l'intérieur mais il n'y est pas. Moi je te dis que la clé est dehors mais du coup on peut pas savoir. Et tu me dis que c'est impossible. Alors du coup la seule possibilité c'est que tu l'as mis dans ta poche et tu l'as perdu. Ça c'est possible hein. Allez on va chercher. Bon ok, on va faire le tour de la maison, let's go. On y va. Attends. Oh, ça fait que tu reconnais les rouges que tu as assis tout à l'heure. Non. 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 Tous les blés. Swan, regarde si c'est à l'intérieur des toilettes. Tu peux te rentrer vu qu'on est des petits. Bon, là non. Ok. Moi, t'as déjà rangé tout ça, aussi bien. Non, ok. Là, j'en ai rien. On passe à la suite. Allez, Swan, on va se dépêcher. Ok. Ok, non, pas ici. Ouais. Il doit être une IA aussi. Non, j'ai pas l'impression. Ok, du coup, dans la cuisine. Non. Bon, je suis un peu découragé, mais on n'a pas encore fait le deuxième étage. Hein. Ouais, c'est vrai. Okay. Toujours pas. C'est lui, non? Peut-être. C'est pas vrai. Oh. C'est peut-être ici, et c'est peut-être soi qu'il y a. On l'a pas tout mis dans la douche, dans une baignoire. Comment on a pu la paumer, là? Attends, ça peut bien être. T'as pas fini, Macar? Macar, t'as raison. Ouais. Non. Non. Rien ici non plus. Hein. Ça s'annonce mal. Maintenant ici. Voilà. Ok, Pagar. Ouais. Non. Non, pas de petite chambre. Non. Ici. Un bon endroit. Pas ici. Non. Ah. Toujours rien. Bon. Non, je peux pas. Swan. Il reste une seule salle là. Ah, j'espère. Bon, salle plus grande. Donc en soi, ça va. Attends, je vais mettre des couleurs qui. De quoi des couleurs, Swan? Ah oui, Pagar, okay. Ça va voir. Lumineux. D'accord. Tu vas partir cache-cache, hein, j'adore, hein, franchement. Ouais. Cache-cache-clé, pourquoi on la trouve pas la clé? Ouais, et je crois même qu'on ne retrouvera pas celui-là. Ouais, bon, ça, viens, on va voir le bureau qui est là. Viens, on va. Non. Quoi? Non, je connais l'espoir comme ça. Oh non! On a cherché partout. Et là. On fait comment?
On a tout cherché, on a fait le tour de partout, on a tout regardé, les placards, tout ce qu'il y avait. Ça se trouve, oui, finalement, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise mémoire. C'est pas peut-être toi, c'est toi qui stresse, toi qui as paumé dehors. Non, t'es gonflé ou quoi? Mais non, on est tous les deux dedans là, oh. On est tous les deux responsables de cette clé, hein. Tu devais être perdu, mais t'aurais pu y penser aussi, hein. Je suis sûr que c'est toi qui as paumé dehors. Et qu'est-ce que tu parles, t'aurais pu au moins surveiller toi aussi, t'as même pas fait gaffe. C'est moi qui prenais attention à la clé là. Moi, je pensais que t'allais pas être aussi discret, hein. Mais sinon, t'avais qu'à t'en préoccuper de la clé. Mais c'est toi le grand. Mais c'est toi le petit, donc t'as pas à parler sur ce ton. Ok, finalement, c'est moi le grand. Ok, je vais t'excuser. Bon, les étagères, c'est fichu. Si on saute, on finit à l'hôpital. On va déjà descendre au rez-de-chaussée, ok? On y va. Pas quoi, non. Non, t'es fou. On va où là alors? Alors la porte fenêtre de la chambre, non. Non. La fenêtre de la cuisine. On a pas essayé. Tu vas voir. Ok, on y va. Ah, peut-être. Oh non, bah elle est fermée à la clé. Oh, fais comment? Oh non. La porte ici? Non, j'ai vu que c'était fermé à la clé, ça va. Ici, ici, c'est fermé. Ouais. Attends, Léo? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens, reviens, reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Tan, tan, tan. J'ai une porte secrète. C'est quoi cette salle? Bon, on va découvrir. C'est garage! C'est un garage ça? Regarde! Ouais. Hein? Ok, on est pour la nouvelle salle. Oui, mais il y a un garage, j'ai même pas capté ça. Comment t'as fait pour pas capter? Il y a une porte! Oh, mais elle est énorme cette salle! Attends, Léo! Quoi, quoi, quoi? On peut trouver la clé du garage pour ouvrir la porte? Mais c'est jamais! Mais c'est jamais! Ok, faut la trouver là! Allez, c'est bon! Elle est où cette clé? C'est bon, je suis en TV, on va la trouver cette clé. Bon, d'accord. On va la trouver. On va y aller, désolé. Non, c'est pas grave. Ici. Bon, je repars ici, on va chercher ailleurs. Ok, Nino, c'est peut-être dans la cuisine. Peut-être, hein. Allez, on va chercher. On va la mettre, la clé, dans le frigo. Non. Dans le congélateur, peut-être. Non. Ça me rend parfait pour une clé. Non, non. Four, non, oh, non. Oh, il y a plein de placards. Mais j'ai cherché, oh là là. Okay. Rien. Non, t'as dans le four? Non. Attends, ici peut-être? Avec des fichiers. Oh là là. Ok. On est où? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. T'es sur le tiroir? Oh, alors c'est déjà. Ça. Oui, c'est ça. Alors déjà, il y a une clé, il y a une porte. Et il y a une porte de garage! Enfin, attends, clé, gars. attends, est-ce que ça va marcher? Sven, 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 Sven. Les arbres, les agences. Laisse pas faire, William. Laisse pas faire. Bah maintenant, on va voir si ils sont ok. Bon, ok, il est temps de voir qui avait raison. Je pense que c'est moi, hein. On va voir ça. Attends, quoi? Et j'avais raison. C'est à cause de toi si on était enfermé. Oups. Louis Gay. Swanson, reste positif. On a la maison pour nous maintenant. C'est bon, elle est pour nous, on pourra revenir demain. Positif, Swan. Vois le verre à moitié plein. Salut Swan. Comment ça va aujourd'hui? Ben super. Et vos familles? On espère que vous allez bien aussi. Et on est encore à notre nouvelle maison. C'est le grand et jour. On va y déménager pour de bon. Yeah, on a ramené les cartons, regardez tout ce qu'on a. Alors la dernière fois, c'était pas très bien passé, il y avait une histoire de clé. Hein. Ouais, c'était un truc obscur quoi, voilà. Maintenant c'est du passé, du coup on va y emménager pour de bon. Allez, let's go. Et juste avant que ça commence la vidéo, mettez un pouce bleu. Oh, voilà, le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas notre chaîne Short Swan Léo Short. Allez Swan, c'est parti, on y go. On y va. C'est bon, j'ai gagné. Oh non, j'ai perdu mon carpi. Voici les clés. Et puis t'as vu le porte-clé, franchement, bah, tu m'as dit ou pas là. De craft, trop bien. C'est carré. Allez hop. Ok. Et c'est facile, tu laisses pas la clé dehors. Hein. De quoi tu parles, Swan? J'ai pas compris. C'est pas comme ça. Bon, Swan, je pense qu'il faut qu'on appelle un serrurier, hein, y a pas le choix. Et à chaque fois, c'est une énigme pour une porte. T'es sûr que c'est la bonne clé, Swan? Ah, c'est bon. Oui. Mais alors, non, j'ai juste cherché dans le carton. C'est sauf qu'on devait emménager ici, mais je suis pas sûre. Ouais, et d'ailleurs, petit détail. Oui, c'est facile, oui. Ouais, enfin, j'essaie de la prendre déjà, c'est une grande étape. Ouais, voilà. Ouais. Ok, on va chercher nos cartons. Allez.
Ok. Voilà. Mais franchement, Léo, je suis étonnée que t'aies pas tout mangé avant. Ouais, non, c'est juste que j'ai laissé en fait, parce que regarde, tu vois, j'avais une petite faim. Alors, Léo, du coup, on avait dit que tu prenais que les trucs les plus nécessaires, hein, les trucs les plus utiles. J'ai déjà commencé par une boîte de Pringles, sel et vinaigre, parce que vraiment, c'est hyper important. Ouais, je peux me prendre. C'est sérieux. Un peu de Pepsi. Ah ouais, tu m'as pas du tout écouté. Quand je t'ai dit, tu prends des trucs utiles. Ah, mais si, totalement. Ça, c'est vraiment hyper utile. Je vais m'en servir tout de suite d'ailleurs. Pour la cuisine, j'ai même pris notre mug avec notre recette. Ah oui, ça, c'est important. Bon, et toi, Swan, c'est quoi tes produits de première nécessité? Ouais, déjà, j'ai pris une peluche Corby, hein, très important. Ah non, mais tu moques vraiment de nous, quoi. Sérieux. J'ai aussi pris une peluche ici et une peluche Gurgi. Non, mais à quoi ça va te servir là? Notre jeu Crazy en Parc. Alors ok, c'est cool Swan, hein, d'accord, mais c'est pour te brosser les dents, c'est ce combat là. J'ai pris aussi ce livre monstre, je me souviens pas trop pourquoi j'ai pris. Ensuite, j'ai aussi pris une bûche à la mèche. Ouais, d'accord, bah franchement elle est sympatoque, hein. Et donc là, regardez, j'ai aussi pris une figurine de Link de Zedar de Zoël. Ça, c'est hyper utile pour refaire la déco. Oui d'accord, mais bon, ce que j'ai pris moi c'est hyper utile pour me nourrir. Nous nourrir. Ça c'est que pour moi, tu comprends? Mmh. Pour survivre. Mais tu vas pas pouvoir manger tout ça. C'est mes réserves pour les jours prochains quoi. Par contre, il faudra qu'on revienne à la maison après parce que là, il y a clairement pas tout, hein. Ouais, non, on a tout oublié. C'est parti. Bon, rangement dans la cuisine. Voilà. Là, on met là, voilà. Et maintenant, je vais me charger des bûches. Ceux-là, ils vont aller sur mon lit. Voilà. J'en ai tout ça dans la chambre. Alors j'ai mes bouffes, hop, comme ça, voilà, comme ça. Je vais mettre ici sa mèche, et ding, je vais le mettre là. C'est pas la déco définitive, mais c'est un début. Bah voilà, c'est parfait. Alors moi du coup, le livre monstre, je vais mettre sous un coussin. Comme ça, Léo, il va s'asseoir dessus. Et il va avoir une jolie surprise. C'est bon, Swan, t'as enregistré les affaires là? Ouais, c'est bon. Ok, bah viens, on prend les cartons là, allez. Ouais, on va y aller, on va aller à la maison. Let's go. Regarde. Oh, tes cartons man! La porte et la lumière, oui! Ah, ouais, c'est vrai que c'est un détail important, oui! Oui, hein! Voilà! Ok, c'est bon, Juliette! Let's go! Allez, on va y remplir! A few moments later. Alors regarde Léo, moi j'ai tout prévu. Avec cette peluche, j'ai un coussin pour poser ma tête en bouton. Ah ouais! Aïe! Ah bah non! Bon, allez! On y va! Cette fois-ci, Léo, pas de course de carton! Ouais. Parce que mon œuf de Yoshi va tomber et on va avoir un bébé Yoshi qui va sortir! Yeah. Ok, c'est parti, Léo! Wouhou! Voilà! Allez, let's go! C'est parti! Non! Non! On va les mettre où tout ça là? Ouais, j'avoue, je me suis peut-être un peu emballée pour les peluches. On voit même plus la tête, tellement il y a de trucs! Bon, je prends déjà ça parce que sinon c'est un peu trop pour moi. J'y vais! Écoutez, moi je vais me faire une petite pause, hein. Allez, un petit pot de popcorn là. Allez les gars, j'ai de nouvelles peluches! Y'avait pas un truc à côté de Kirby qui s'est mis ici? Attends, mais il est où? Où est-il passé? Peut-être celui, hein. Peut-être dans la salle de bain. Et Swan 2, tu sais où est mon Yugi? Ah non, je sais pas. Et je vais te m'embrouiller. Alors peut-être dans les tiroirs, hein. Non, peut-être dans les autres tiroirs. Je suis pas fou. Vous m'avez bien fou, mettre Yugi sur le lit. Mais comment c'est possible, Yugi? Alors, mon popcorn. Où est-ce que j'ai mis? Où mon seau? Ouais d'accord, il y a ceux-là, mais c'est pas ça que je veux, moi je veux le seau complet là. Il est où? Quoi ce délire? Non mais sérieux, vous êtes d'accord? Il était là. Qui c'est qui a bien pu le prendre là? Ouh, Yugi! Ah, je pense que c'est un coup de Néo. Néo! Viens ici tout de suite! C'est forcément Swan. Swan! Viens tout de suite là, descends! Néo! Swan! Yugi! Il est où mon pot de popcorn? Mais là, je suis en train de te parler de Yugi. Mais de quoi tu me parles de ta peluche là? Moi je te parle d'un truc important. Vital. Mon pot de popcorn, il est où? Je sais pas moi, c'est toi qui l'as pris. Mais il a pas pu disparaître par magie, moi je l'ai rangé dans le placard. Et il n'y est pas. Regarde par toi-même. T'es sûr de l'avoir rangé dans le placard? Mais évidemment. Avec tes abonnés, on l'a vu ensemble. Bah moi j'étais sûr d'avoir mis Yugi sur mon lit, sauf qu'il était pas. Je m'en fiche de Yugi. Okay, moi, qu'est-ce que je m'en fiche de ton pot de popcorn? Enfin, dans ta chambre, j'en suis sûr que tu me mens. J'en suis sûr que t'as caché le pot. J'y vais y aller, hein. Allez, hop. C'est pas moi qui ai. Tu l'as caché, j'en suis sûr. Non, j'ai pas caché. Attends, c'est Yugi. Attends, mais qu'est-ce qui se fait chier?
Voilà, c'est bien ce que je disais, Swan. Tu l'as juste mis à un endroit comme ça. Mais j'avais vu sur lui, il n'y a pas pu se voiliser. N'importe quoi, c'est juste toi qui t'en es pas rendu compte. C'est juste être en l'air, hein, c'est tout. Hein. Pour moi, j'ai remarqué. Bon, voilà, tu vois qu'il est pas perdu. Par où, mais mon pote. Popcorn, là, il est perdu, donc là, c'est hyper grave. Swan, où tu l'as mis? Tu peux me le dire maintenant, c'est bon. Moi, je remets la sur lui. Non, non, mais Swan, tu l'as vu où, Popcorn? Je sais pas où il est, ton pot là. Toujours aussi lourd avec la bouffe. Hein. Enfin, si tu veux, je pourrais t'en acheter, mais allez, dis-moi où c'est. Mais je sais pas où il est. Oh, Swan, arrête ta blague, là, t'es lourd. Oh là. C'est pas moi qui l'ai caché, je sais pas où il est. T'es lourd. C'est sûrement toi qui est toujours hyper tête en l'air comme la dernière fois. De quoi? T'as laissé ton Woody dans un placard et tu me parles de tête en l'air. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bon, déjà Néo, c'était dans un tiroir, enfin un placard, donc apprends à parier. Et je te dis que j'avais mis sur lui. Bah non, il était pas dans le lit parce qu'il était dans le tiroir. Mais si, il était sur lui, moi je te dis, moi je me souviens d'avoir mis sur lui. Mais tu vois bien qu'il y était pas, Swan, c'est de la logique. Tu vois, mon pote Bocor, il va réapparaître dans la cuisine, c'est ça? Non, mais n'importe quoi. Là-dedans, bien sûr. Ça a été trop dingue. On a mis la poubelle. Sérieux, c'est pas mon jour, hein, franchement. La buanderie, peut-être. De quoi la buanderie, n'importe quoi. Si, qu'elle distrait. Et tu as mis genre. Mais c'est pas dans la buanderie, Swan, n'importe quoi. Dans le frigo. Bien sûr, dans le frigo. Oh, il y a. Bien sûr, allez. Non, mais regarde, il y a, T'es sérieux, comment t'as pu mettre gaffe? Mais comment t'as pu le mettre gaffe, Léo? Mais quoi? Tu me l'as caché, tu me l'as mis là contrôlé. Non. Alors tu vas me dire que c'est pas toi qui as caché mon Guigui. Non, mais Swan, qu'est-ce qui se passe? Disons là, c'est quoi ce délire? Mais jamais j'aurais mis là-dedans, c'est complètement absurde. Bah moi jamais j'aurais mis mon Guigui dans ce tiroir. Ça peut arriver. Moi, je suis trop content, j'ai retrouvé, je vais pouvoir me régaler. Bon, cette histoire, c'est du passé, allez, je vais me régaler. Ah bon, je te laisse, tant pis, frère, moi je vais aménager. Assieds-toi un tout petit peu plus à gauche. Pourquoi? Attends, il t'épaisse du coup? Oh, t'es lourd, laisse pas manger. Mais j'avais vu mon livre en monstre pour se faire un prank ici. Mais t'es sérieux, tu voulais me faire un prank? C'est quoi cette blague là-haut? Ouais, sauf qu'il est plus, hein. C'est quoi ce délire? Tu voulais me faire un prank, hein? Wow, bah t'es vraiment professionnel, hein. Mais vraiment, il a disparu, c'est pas moi qui l'ai déposé. Laisse-moi manger mes popcorn, t'en files, là. C'est quoi, moi je vais chercher, si je retrouve, c'est vraiment qu'il se passe un truc dans n'importe quoi. Allez, c'est parti. C'est peut-être un fantôme, Swan. Bah ouais, hein. J'ai entendu parler d'un grand fantôme dans cette maison. Elle était hantée avant, tu sais. N'importe quoi. Swan, méfie-toi, hein. Méfie-toi. Le mangeur de Swan. On a vu depuis le début. Le fantôme mangeur de Swan est très dangereux. On a vu, c'est toi qui déplace tout depuis le début, là. C'est une histoire ancienne. Non, il sert à rien. Non. J'ai cherché peut-être. Cette maison a été construite sur un lac avec des cygnes. Donc du coup, elle est hantée. Ah, tu peux pas te taire un petit peu? Ça m'aidera à chercher. Non, il n'est pas là. Oh, yeah. J'ai trouvé. N'importe quoi. Qu'est-ce qui fait chien? Pourquoi tu penses faire ton quoi? Tu avais vraiment retrouvé? Mais oui, j'ai retrouvé. Pourquoi il était là? Ça se délire. Bon, on trouve qu'elle allait être sympa. Dommage que ça ait disparu. Non, mais tu l'as trouvé où? J'ai trouvé dans le carton là. Tu l'as juste oublié dans le rangement. Allez, c'est n'importe quoi. Tu me fais rire. Attention aux fantômes, hein. Ah là, c'est pas là. Toujours très naïf. A few moments later. J'ai une petite soif, moi, pas toi? Tu peux aller chercher un petit Pepsi? Allez, un plaisir. Merci. Bah, mon petit frère. Hé, Pepsi? Non, pas là. Un frigo peut-être. Peut-être dans le deuxième frigo. Non, si, non plus. Je demande où il est. Néo, tu l'as mis où, le Pepsi? Le placard. J'ai cherché, il est pas. Au fait, tu devais pas faire ton sport pour aujourd'hui? Bouge-toi, gros tas. De quoi là? Ah, je savais que ça allait marcher. Bon, maintenant que tu es ici, on va chercher les Pepsi ensemble. De quoi? Regarde. Il n'y a pas de Pepsi. Voilà. Mais si, il y a Pepsi. Voilà, c'est que tu ne vois pas. Bah, toi non plus, t'as pas l'air de voir. Ah bah j'ai compris, t'as pris le Pepsi, non. Caché ailleurs. Non, voilà. J'ai pas pris, je te jure sur la tête de Max. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un fantôme dans cette maison? Peut-être, hein, vu que tous nos objets disparaissent. Ah bah c'est ça ton problème avec toi, c'est... Tu me fais un prank. Il est pas là. Tu me fais un prank. Non, je te fais pas de prank. Ok, la petite, hein. Oh, il est pas là, ma chérie. Tu me fais un prank, t'es sûr? Non, je te fais pas de prank. Enfin, c'était lourd en fait, c'est un instrument de prank. Je te prank pas. Les blagues les plus courtes sont les plus drôles en fait, mais là c'est hyper lourd. Mais c'est pas une blague. Non mais, Swan, tu sais quoi? Je vais partir, je vais aller boire dans la dans notre maison, hein. Je vais... Allez, on y va, tu me saoules là, c'est... Je te jure que je t'ai pas fait prank. Depuis le début, je suis sûre que c'est toi qui t'es à prank depuis le début. Allez, c'est bon, on y va. Ouais, bah vas-y, j'ai le popcorn, donc okay. Sérieux. C'est bon, t'as rien oublié de ton côté, là? Ouais, non. Allez, on y va. Est-ce que j'ai mis mon tel, moi? Attends, t'as mis ton tel, là? Il est où mon tel? Non mais, je suis sûre qu'il y a un fantôme, là, c'est bon, j'ai mis... Swan, tu m'as pas franké, t'es sérieux, là? Non, je t'ai pas franké.
Non mais Swan, non mais t'es lourd, je tu te me jure saoules. Que je t'ai pas tu me saoules, Swan, il est où mon tel? Tu me dis tout de suite où il est. J'en ai marre là. Je sais pas. Tu l'as encore caché comme ça? Mais merde. Est-ce que t'es sûr qu'il est pas dans ta poche? Mais de quoi tu parles dans ma poche? Ah. Voilà, j'en étais sûr. Ouais, non. Il était non mais c'est bon, les autres choses c'était des pranks. Non mais ça c'est bon. Ça peut, je peux arriver à me tromper. Je peux me tromper à des moments, c'est bon là, arrête. Bah voilà Swan, j'ai les clés. Et oui, c'est vrai, tu peux pas me le prendre hein. C'est pas moi qui t'ai pranké, je te le dis depuis le début. N'importe quoi Swan, la dernière fois qu'on est venu ici, je suis sûr que c'est ta faute aussi. Et on non, a perdu les clés. Non, ça on a vu, c'était toi qui étais hyper distrait. Tu m'as sûrement fait un prank, comme ici, c'est la même chose quoi. Bref, tu veux pas récupérer ta peluche Oogie Woogie, là tu dors avec, machin. Alors, non, je remonte plus du tout là-haut. En plus, ça commence à faire mieux. Code, Swan, la poule mouillée. Tu peux pas remonter, c'est ça, t'as trop peur. Tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Allez, non, on sort d'ici. Ah les petits sales peureux hein. Ah t'es vraiment marrant hein. Tu fais des pranks et après t'as peur tout seul hein. Ridicule. Mais c'est pas des pranks. Je suis enfermé dans là. Ça va pas s'ouvrir. Ah là là. Alors celui-là était nul hein. Bah t'y as cru hein, t'as eu peur hein. Bon allez. Salut Swan. Salut toi. Comment ça va aujourd'hui? Bah super. On espère que vous allez bien. Merci. Aussi. Aujourd'hui du coup on va encore passer une journée dans notre nouvelle maison. Trop bien, génial ça. Alors on a juste remarqué un petit problème. Oui. Venez, on va vous montrer. Swan, tu nous montres? Alors regardez le tuyau ici. En fait notre piscine fuit. Voilà. Et comment on va faire pour se baigner Swan? On va pas pouvoir se baigner là? Non, notre été. Notre été du néon. Bah va falloir faire des travaux hein. Bon bah écoutez, on y réfléchit et on vous dit ça par la suite hein. Mais c'est plus possible cette fuite là. Je sais bien, mais comment tu veux qu'on fasse? On peut la boucher avec de la glu. Swan, la glu c'est complètement logique, c'est le scotch qu'il faut faire. Si on colle du papier avec du scotch. Ah ouais, judicieux ça hein. On peut mettre plein de pâtes. Tu sais, j'ai vu des vidéos TikTok pâtes. Où ils remplissent avec des pâtes et ça bouche les trous. C'est hyper efficace hein. Wow, ça marche bien. Bien. Et voilà, là c'est invisible. C'est comme si c'était tout neuf. C'est ça, c'est la technique. Ouais, c'est ça en vrai. C'est la solution. Alors voyons voir ce qu'on a comme courrier aujourd'hui. Je me demande bien. Voyons voir. Ok. Oh, bizarre. Il y a qu'une lettre. Bah ouais, c'est bizarre ça. Attends, mais ça, regarde ce qui est marqué. Réparation de piscine gratuite. Wow, c'est trop bien. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut, Swan. On va payer direct. On va pouvoir réparer notre piscine. Bah ouais, direct, hein. Allez, go. C'est qui l'appelle? C'est toi. Ok, ok. Alors. Oui, j'ai reçu votre prospectus par rapport à la réparation de la piscine qui était gratuite. Donc c'est toujours valide? Elle est toujours gratuite? D'accord, bah écoutez, notre piscine fuit depuis plusieurs jours. Ce n'est plus possible, donc est-ce que vous pourriez venir pour la réparer, s'il vous plaît? Ok, super. Bon bah écoutez, impatient de vous voir. Hein. Ouais. À plus tard. Swan, c'est bon, ça a marché, ils ont accepté. Yes. Allez, oh, top là. Let's go. Swan, yes. Attends, Néo, tu as donné l'adresse? Tu as donné le jour où il fallait qu'il travaille? Tu as donné l'heure? Mais t'es un gros débile. Attends, Swan. Oui, bonjour. Oui, en fait, j'ai oublié de vous donner l'adresse et l'heure. Bon, bah, je vous donne ça. Alors, du coup, mon adresse, c'est rue du s'il vous plaît. Et sinon, vous pourrez venir demain. Ok, ce serait parfait. Bah, je serai pas là, du coup. Je serai pas là, donc je compte sur vous pour tout gérer. Hein. C'est bon? Ok, ok, cool. Bon, allez, à demain, du coup. Hein. Wouh yeah yeah. Notre piscine va enfin être réparée. The next day. Swan, tranquille, il a tout réparé. C'est tout nickel. C'est juste une fuite d'eau, de toute façon. Bah, écoute, ça va être good. Hein. Franchement, ce soir, là, petite organisation, petite soirée piscine. On va s'éclater. Ça va être carré. Tu comprends là, le truc. Trop cool. Bon, allez, je vais voir du coup ce qu'il a fait là. Puis, petit live ce soir. Petit hein. Live Fortnite ou Minecraft? Ouais, Minecraft, bah ouais, ça va être sympa, hein. C'est sûr. Quoi ce délire? Attends, je te rappelle. Attends, mais attendez, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Il y a un immense dans le trou là. Il y a une météorite qui est tombée, c'est ça? C'était une fuite, monsieur, vous comprenez ça? Une fuite! Alors déjà, monsieur, bonjour, la politesse. Et aussi, alors je comprends pas pourquoi vous vous énervez. J'ai réparé votre fuite. Regardez, vous voyez une fuite, vous? Et ça, gratuitement. Non mais monsieur, vous moquez de moi, il y a surtout plus de piscine là, c'est pas possible. Vous êtes un charlatan, c'est wow, sûr. Vous êtes un charlatan. J'ai réparé votre fuite, et ça, gratuitement. Mais si, vous voulez que je répare la piscine, ça va coûter un peu plus cher. Mais vous fichez de moi là? Vous fichez de moi? Wow! On reste calme, hein. Vous avez tout cassé. Regardez cet immense trou là. Comment je vais expliquer ça à Swan? J'en dis plus que vous voulez que je répare votre piscine. Mais vous êtes sérieux, vous pensez vraiment que je vais laisser la maison comme ça là? Vous rigolez ou quoi? Je vais vous jeter dedans surtout, hein, attention. Bah, je veux savoir votre avis en fait. Si vous continuez comme ça, ça va très mal se passer. Parce que vous allez finir dans la piscine. Enfin, ce qu'il en reste. Du coup, si vous voulez que je répare la piscine, ce sera un peu plus cher. Non mais vous pouvez pas me faire ça gratuitement, vous avez dit que c'était gratuit. C'est gratuit de réparer la fuite. Après, réparer la piscine, c'est une autre histoire. Non mais là, il n'y a plus de piscine en fait. Vous avez tout détruit. Ça va falloir réparer, ça coûte cher. Laissez-moi reprendre mon calme.
Vous êtes en train de me dire que pour l'instant tout ça c'est gratuit. Ma fuite a été réparée et vous me dites que si je veux retrouver ma piscine comme elle était auparavant, il faut que je paye. C'est bien ça monsieur? Vous voulez dire avec la fuite ou sans la fuite? Sans la fuite évidemment. Ça prendra environ 2-3 mois. Quoi? Pourquoi faire une piscine en fait? Me baigner évidemment. Bah vous avez pas un lavabo chez vous? Mais de quoi vous me parlez de lavabo là? Je comprends rien ce que vous dites. Je veux une piscine, c'est tout ce qu'il y avait avant. Ah là, ça coûte un petit paquet hein. D'accord, j'ai compris, mais vous pouvez me faire ça pour quand? Ça met du temps à être fait hein. Monsieur, vous avez intérêt à me le faire très très vite. Alors bien sûr, on peut aller plus vite, mais ça va coûter cher. Ok, j'ai compris votre petit jeu. Écoutez, je vais payer, mais je veux que ce soit fait le plus rapidement possible. Compris? Très bien. Vous voyez, je suis quand même un homme d'honneur. J'ai le cœur sur la main. Ok, c'est bon. Vous avez intérêt à faire ça le plus vite, hein. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, le client est roi. Ouais, ouais. C'est pas tout ça, mais moi, j'y travaille. One eternity later. Bon, ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu. Ouais, je pense que la piscine elle est terminée là. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Ah, ça y est, c'est le grand jour, elle est prête. Vas-y, au bon, on se baigne ce soir. Ah, mais ouais, tellement, on va s'éclater. Par contre, on n'a pas de bain. Ça, t'inquiète, j'ai tout prévu. Ouais, c'est une méga fiesta d'enfer là. Oh, ouais, regarde, une méga fiesta. C'est quoi ce délire? Quoi? Attends. C'est pas fini? Mais attends, mais y'a même pas d'eau? Non! C'est quoi cette histoire là? Mais ouais, mais c'est quoi ce délire? Y'a que des sacs poubelles et du ciment, y'a pas d'eau. Y'a rien du tout. Mais comment on peut se baigner, Swan? Fais gaffe, y'a plein de câbles, y'a plein de pics là, je comprends rien. Oh, mais c'est même dangereux, limite, on peut même pas passer, regarde. Ouais, j'avoue. Hein. Mais c'est quoi tous ces dégâts? Mais non! Aïe, aïe, aïe. Mais non! Mais sérieux, regarde, y'a de la terre de partout là, je comprends rien. Swan, c'est mort, on dirait qu'ils ont à peine commencé. Depuis le temps qu'on attend ça quand même. Demain, on revient à la première heure et on va dire deux mots à ce type. Ah ouais, mais carrément, okay, hein, on y va. Hein. The next day. Enfin, attends, mais on sait pas s'il y a, non, mais... s'il y a pas avancé. Hein. Mais en une nuit, mais t'es malade, Swan? Ouais, quand même, t'as raison. Je vais voir. Oh, au bas. Quoi? Mais il a avancé en fait. Il a fait tout ça en une nuit, mais comment c'est possible? Mais c'est incroyable ce gars. Attends, je vais sous-estimer là. Il a l'air d'être égo. Alors je te propose qu'on lui laisse 2 semaines finir la piscine et qu'ensuite on va voir. Parce que s'il a fait tout ça en une nuit, genre une semaine c'est bouclé. Ouais, t'as raison. Allez, on attend 2 semaines et on va le revoir à ce moment-là. Ouais. Allez. 2 weeks later. Allez, Swan, tu te rends impatient là, hein? Bah ouais, pareil. Après 2 semaines d'attente quand même, hein? Ouais. On mérite bien de se baigner là. Hein. Ouais, j'ai trop chaud moi. Tellement, on va se rafraîchir là. Oh là là, je pense qu'il a rempli la piscine en plus, non, du coup. Hein. Allez, let's go. Attends, mais c'est quoi ce délire là? C'est pas possible, mais quoi? Mais il a rien fait. Il a rien fait. Attends, mais il y a aucune différence. Non, 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 il a modifié un truc depuis le temps. Mais 2 semaines, comment c'est possible? Il a pris des vacances, quoi. Moi qui avais confiance en lui là, ouais, c'est pareil, gagné là. C'est identique. Ouais, Swan, on s'est fait arnaquer là. Bah ouais, j'avoue, il s'est fait arnaquer, c'est de l'arnaque. Là. Le gars il nous fait croire qu'il travaille pendant super longtemps et tout, mais en fait ouais, il fait rien. Ouais. Là il a passé 2 semaines de vacances. Il faut qu'on le croise, là. Il faut qu'on lui dise 2 mots à ce type, hein. Bah c'est ouais, possible. Hein. Hein. On peut l'appeler. Je suis même pas sûr que j'ai son numéro et puis qu'est-ce que ça va apporter? Je vais pas lui dire bosse plus. Il se trouve il a abandonné les chantiers. Non attends, arrête. On va installer une caméra de surveillance. Comme ça on va pouvoir surveiller. T'sais, il revient, on peut regarder s'il passe des vacances ou bien okay, s'il bosse. Et ensuite à partir de là on pourra le contacter parce que ah Swan, bah ouais, t'as raison. Si on l'appelle maintenant, on peut être en mode il peut nous dire mais non mais je travaille tous les jours, vous avez pas honte de m'appeler comme ça. Mais il faut vraiment qu'on ait des preuves, je pense. Let's go. J'ai la caméra de surveillance. Ouais. On peut la passer. Il est temps d'installer tout ça. Ingénieux. Voilà. Ok, c'est cool. Et ça a l'air de bien tout filmer. Parfait. Mmh. Allez, on attique tout ça. Later. Swan, t'es sérieux? C'est encore toi qui as volé mes gâteaux et mes chips. Bah non. Bien sûr, c'est pas toi. Et puis c'est toi qui me. Sérieux. De quoi tu parles? Allez, arrête là. Assume au moins. Assume que c'est toi là. Non, j'ai rien volé. C'est pas une blague. C'est quoi cette blague? Je sais bien que c'est toi. Tu fais tout le temps ça. Mais tu fais tout le temps ça. De quoi tu parles là? C'est qui alors? J'en sais rien, mais c'est pas moi. Bon, du coup, on regarde quoi? Bah, on regarde une piste. Oui. Allez, go. The next day. Ah, ça travaille. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Eh ben, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur le chantier. Ouais, mais ça avance. J'ai même cru que vous étiez en vacances. Quoi? Moi en vacances? Vous croyez que ça se fait tout seul? Vous pouvez faire vous-même? Je comprends que ça prend beaucoup de temps, effectivement. Je voulais vous voir parce qu'en fait, j'ai quelques gâteaux qui ont étrangement disparu. Bizarre. Et puis j'ai même, plus fort encore, ma PS5 qui a disparu. PS5? Donc, si vous avez vu quelque chose, parce que vous êtes souvent ici, hein, vous savez, donc je voulais savoir si vous avez pas vu peut-être un voleur, quelque chose comme ça. J'ai rien vu. Ou peut-être vous. Quoi? Vous m'accusez de vol? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, monsieur, désolé. Bon, est-ce que vous avez rien vu? Alors, j'ai dû me tromper. De toute façon, je suis toujours là, du coup, je peux rien manquer. Bon, vous pensez que vous allez terminer dans combien de temps? Ce sera fait quand ce sera fait. Bon, très bien, ok. Moi, je vous laisse, bon courage, bon travail, et à la prochaine, monsieur. Hein. Allez, au revoir. Merci.
Bon, il t'a dit quoi du coup? Eh bien, évidemment, c'est pas lui. Voilà, il me dit qu'il sait absolument pas ce que c'est, etc. Enfin voilà, il nous balade quoi, t'as capté? Et en plus de ça, il me dit que le chantier sera fini quand ça sera fini. Ah ouais, non mais total n'importe quoi, quoi. Du coup, t'as les images? Ouais, c'est bon, je sais. Ah ouais, ok, donc là ça va, il travaille normal. Ok. Alors, ça, il se repose là. Il s'arrête déjà? Déjà, franchement, tranquille là, il se repose. Ouais, j'avoue. Hein. La blague. Qu'est-ce qu'il fait? Mais n'importe quoi. Mais boss, travaille! Il s'y lève. Il prend la perceuse. Attends, mais il force une porte là? Alors, ouais, mais il y a force quand même. Non mais c'est quoi ce délire? Mais comment c'est possible? J'ai vu la porte, elle était pas abîmée. Attends mais il va tout... Attends mais il force la porte, il est dans notre maison. Attends, il ressort. Oh, il a de la nourriture dans les mains. Oh non. Mais c'était ça, ma paquet de gâteaux et de chips. Oh il se coince. Oh là là, mais sérieux, c'est une blague. Et attends, mais après, il le cache derrière dans le jardin, on l'a même pas vu. Mais what? Comment on l'a pas vu? Mais ce fou, mais il a un problème, hein. Il revient à la maison. Attends, il sert un truc. Ma PS5. Ma PS5. On est fixé, c'était bien lui, mais non, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il va en faire là? Là, sur cette vidéo, il y a que des dingueries. Il fait n'importe quoi. Mais j'avoue. On va prendre notre mal en patience. Et je peux dire, quand il aura fini, on va se venger. One eternity later. J'espère qu'on aura enfin la piscine. Ouais, bah, Swan, te rends compte, ça fait 3 mois qu'on attend. Ouais, cet artisan se moque bien de nous. Allez, on va voir ça. Swan, regarde! Oh, c'est incroyable! C'est trop bien! Piscine! Yeah! C'est fini, ça y est! Let's go! Oui, enfin! Elle est incroyable. Attends, mais il a carrément retapé toute la piscine. Ouais, franchement, elle est incroyable cette piscine maintenant. Et il est moins feignant qu'il en a l'air cet artisan. J'avoue, finalement, il remonte un peu plus à mon estime. Swan, c'est ce que ça veut dire? Bah oui, on va chercher les métaux. Yeah, yeah. A few moments later. Swan, dépêche-toi, elle est super bonne. Ah. Ok. Ah. Aujourd'hui, c'est jour de paye. Ah, parfait. Le client est là. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Eh bien, elle est bonne la piscine? Oui, y a pas de problème. Eh bien, monsieur, j'espère que vous profitez de la piscine. Mais... je viens chercher ma facture. Quelle facture? Le pourboire, vous voulez dire? Eh bien, non. La piscine, ce n'était pas gratuit. Il y a cru que c'était gratuit, mais la piscine, c'est plus cher. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez dit que tout était gratuit sur l'annonce. Si vous ne me payez pas, je pars avec mon camion et la piscine avec. Non, mais vous vous moquez de moi là, j'espère. Tout était gratuit, vous avez dit, vous avez promis. C'est quoi ce délire là? Y'a rien à payer? Si vous me payez pas, j'appelle la police. Quoi? Vous êtes gonflé, ma parole. C'est moi qui vais appeler la police si vous continuez comme ça. Vous savez ce que j'ai filmé avec ma caméra de surveillance cachée? Qu'est-ce que vous avez filmé? Vous avez filmé en train de vous goinfrer de mes gâteaux, de mes chips, et vous avez même volé ma console, ma PS5. Eh bien, c'est totalement faux. Vous voulez voir les vidéos peut-être? Vous avez intérêt à me rendre ma PS5 tout de suite, monsieur. Eh bien, monsieur, vous bluffez, je suis sûr. Oh, vous voulez que je monte des images? C'est à la police? Vrai. Vous voulez que j'envoie les images à la police peut-être? Oui. Venez, on va venir au commissariat ensemble, non? J'en ai pas trop envie. Ah bah écoutez, je voulais pas de problème. On dit que tout est gratos, non? Comme ce que t'es prévu, vous êtes d'accord, monsieur? Eh bien, je vais vous faire 50% hein, si vous 50% voulez. 50%? Vous êtes sérieux? C'est gratuit? 40%? C'est gratuit? Non, mais j'ai toutes les vidéos, monsieur. 30%? Ma PS5? 20%? Vous comprenez pas, j'ai investi de l'argent pour faire cette piscine. Ça n'a pas été gratuit pour moi. Vous avez volé tous mes paquets de chips et gâteaux? 10%? Mais vous manquez de moi, j'espère. Ok, allez. ok, 0%. 0%. Et ma PS5 alors? Je la veux. Je peux la garder comme pourboire? Ok, moi, monsieur, je veux la PS5. D'accord. A few moments later. Non, mais j'y crois pas, quoi. L'autre, il croit qu'il va garder ma console, mais c'est une blague, quoi. Ok, c'est bon, j'ai votre console. Bon, voilà. Donnez-la moi tout de suite. Et maintenant que vous avez votre console, on va donner un petit 20%. 10%. Vous croyez que je vais accepter le moindre pourcent, là? 5%. C'est quoi le pourcent? Ça va être l'amende que vous allez payer à la police si vous continuez. Okay. Monsieur, vous décampez tout de suite. D'accord. Je vous revois plus. Ma chérie, ne t'inquiète pas, tu es rentrée à la maison. Ça va aller, t'inquiète pas, papa est là. Bon bah ça n'a pas marché. Mais au moins j'ai gagné des chips, des gâteaux et une soirée de jeux vidéo sur PS5. Je vais redistribuer des flyers. Des fois ça peut marcher. Salut Swan, t'es enfin là. T'as retrouvé la PS5? Ouais, regarde, elle est derrière toi. Bah ouais, attends, mais comment tu l'as récupéré? Eh bah écoute, j'ai une petite rencontre avec monsieur Piscine. Ah,
Voilà. Eh bien, figure-toi qu'ils voulaient nous faire payer la piscine. C'était n'importe quoi. Et sinon, il allait appeler la police. Donc, à partir de là, je vais montrer du coup toutes les vidéos que vous avez filmées de lui. Hein. Ouais, et là, il s'est dit que voilà, il y avait des petits risques. Donc, finalement, il nous a rendu la PS5 et il est parti. Et en fait, les chips et les gâteaux qu'il avait volés, ça a rentabilisé du coup la piscine. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est logique. Bon, bah, on a fait une bonne affaire quand même. Oh, bah, carrément, hein. Cette piscine est géniale. Ouais, c'est trop cool pour les vacances. Ah ouais. Allez, Swan, on y va. C'est quoi, mon frère, du coup? Bon, je sais que t'aimes pas trop ça, mais là, souris. Oh non, mais sérieux? Ok, Swan, en fait, on a rien ici, on a pas de matos. Ah, ouais, bon, d'accord. Genre, comment tu fais demander mon outil? Il faut du matériel. Ah ouais, bon, franchement, je me donne. Ah oui, Swan, ouais, c'est hyper important. Puis pour tes BD aussi, pour les ranger, tout ça. C'est vrai, il faut une bibliothèque. Il faut un peu de matériel, hein. Ok, on y va, tu m'as suffisamment convaincu, c'est parti. Let's go. Par contre, Léo, on est d'accord, hein. On achète aussi des nouvelles décos pour nos chambres, hein. On n'a pas assez de déco, hein. Moi, si tu veux, par contre, on paye avec ma carte bleue, hein, donc limite, hein, ok. Ouais, bon, ok, ok, ah. Ok. Je vais essayer de résister et pas acheter tout le magasin. Alors, t'as des idées, tout le magasin. Et j'adore, franchement, avec les bleus, hein. J'adore, pareil. Ouais, c'est quoi ça? Arrêtez, soyez dessus, on touche pas, on touche pas. Non, vraiment, ça doit y toucher. Trop peur. Ok, c'est un fou, ouais, t'as plus vu pour rien. C'est bien, et c'est bien comme ça. Ouais, je crois pas, c'est vrai. C'est joli aussi en orange. Ah, franchement, le rendu est sympa. Hein. Oh, attends, Léo, des guerriers en orange. Wow. Ouais, ça c'est vraiment très stylé. Et franchement, moi j'adore ça, hein. Ça me fait beaucoup penser à toi. Quoi? Et franchement, je prends, j'adore. Non, tu ne prends pas si c'est pour penser à moi là. Oh, bon, okay, c'est une tortue, abuse pas. J'ai pensé à toi quand tu dois faire quelque chose. Ah bah moi j'ai pensé à lui, tu pensais à Swan, c'est quoi son globe? Alors là, j'adore ce truc. C'est vrai? T'as un style quand même assez particulier, Swan. Ça, ça ressemble beaucoup à Queen, tu vois. Ah, ça aussi, j'aime bien en vrai la plume en or. Oui, bon bah écoute, on va t'acheter une autre maison, d'accord? Non mais t'es sérieux, t'as vraiment pris la tortue là? Ouais, j'aime bien. Non mais c'est une blague, tu la remets, c'est une blague. Mais non, c'est joli. Mais t'aimes bien la tortue, mais pourquoi? Pourquoi c'est joli, tu vois? C'est juste une tortue toute simple là, juste pour mais... J'aime bien comme des fatigants. Oh, un iguane! Oh, génial! Oh là là, il est énorme hein, pour le coup, là c'est taille réelle hein. Et t'as un petit croco derrière. J'ai trop envie de prendre, tu vois. Non, mais t'es malade, Swan. Ça aussi, ça me fait penser à ça. Non, mais abuse pas. Il est immense. Swan prend toutes les statuettes. Ouais, Léo, tu finis tout seul. Moi, je suis en là. Oui, bien sûr. Allez, laisse-le tout de suite. Là. Tu rigoles, Swan. Ouais. T'es sérieux, allez, viens. Oh, attends, j'avais pas marqué sur un super paillasson. Qu'est-ce qu'il a de spécial comme paillasson là? C'est Queen dessus. C'est Queen? Ouais, t'as raison, ça lui ressemble un peu. Bon, écoute, t'as eu des idées bizarres, mais bon, celle-là, j'accepte. Vas-y, reprends, pour te faire plaisir. C'est trop bien, non? Et attends, regarde, Léo. Alors, ces verrias, ils sont uniquement faits pour les apéros, pour la plage, pour la bonne humeur et pour la terrasse. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Faut bien respecter la règle. Mais y'a plein de trucs ici. Attends, Swan, on prend un caddie. Voilà, c'est pas pour ça. Alors, voyons voir ce qu'on va prendre. Bah, déjà, j'ai posé mon paillasson. Très joli, non, ma tortue très jolie. Sérieux? Non, mais ça, regarde. Wow, c'est stylé ça! C'est génial ces pailles! C'est marrant! Ah, puis c'est mort! Vas-y, on en prend! Oh, c'est cool hein! Ouais, j'aime bien aussi hein, des coloris comme ça. Ah ouais, ils sont jolis aussi. Ah, attends, Léo, t'as vu ces notes coco là? Mais méga stylé! C'est génial! Vas-y, on en prend deux. Oh, c'est trop bien! Allez, let's go! Et voilà! Oh, regarde Swan, c'est des mélangeurs de cocktails. Ah ouais, c'est je les collectionnais quand j'étais gamin et ce sont les mêmes. Je les avais cassés celui-là, donc là je suis trop content de retrouver. Vas-y, on les prend, juste pour la nostalgie. Vas-y, ils sont stylés. Moi, vas-y, attends, on les prend tous. Allez Swan, on passe aux caisses. Merci. Let's go. Par contre, t'as le téléphone ici, là. Bon, tu peux le garder, autant pour le shopping. C'est bien, je vais ouais, mais là, dans ça, ça sera mieux. Hein. Ok. Je suis sûr. Vas-y, fais ça. Merci, Swan. Donc, 12 travaux d'Hercule, hein. Les travaux que tu fais dans un sac. C'est vraiment ta gueule. Ouais, c'est bien, on va essayer. Alors, voyons voir quelle note je vais mettre sur celui-là. Non, mais on est là pour du shopping, Swan. Pour dormir. Nouveau test de canapé. Bon, en fait, il faut vraiment que tu abandonnes dans le magasin. Mais j'ai testé des canapés, c'est indispensable. Les canapés, ils vont pas se tester. On vient bien à la maison. Oui, ouais, ouais. Bon, Swan, pars sans toi. Hein. Allez, salut. Attends, tu pars vraiment sans moi? Eh non, 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 attends-moi. Et je suis bien. Yo, on se réveille. Sérieux, tu dormais là? Mais c'est une blague.
Salut Simon. Oh, il y a un côté mieux. Oh, ça, ça a l'air d'être très sympa. S'il te plaît, je peux les adopter. Mais ça en a déjà plein. Bon, ça, c'est moi qui paye, donc pas cette fois, ok? Peut-être la prochaine. Bon, les yeux mignons, ça marche pas cette fois, ok? Two seconds later. Oh, merci Néo, franchement, t'es le meilleur des grands frères. Y'a pas de quoi, c'est bon, ça va. Bon, alors, maintenant, on est dans le rayon housse de couette. Qu'est-ce que je vais prendre, Laura? Du gris, ouais, non, peut-être pas. Gris clair. Des cœurs, ouais, pour Swan, ça irait bien. Des fleurs, je sais pas trop, hein. C'est pas mal les carreaux là, t'aimes bien Swan? Ouais, ouais. Sympa, les fleurs là, ouais, pourquoi pas. Ah, la noire, parfait. Ouais, une gris clair, pourquoi pas. Ouf, gris foncé, ça rend mieux. Voilà, Swan, on va prendre ça, c'est parfait. Ça va bien, hein, c'est stylé. Mais oui. Et pourquoi pas toi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, du noir, pourquoi pas là. Mais noir-gris, j'aime moins, non. Non, il faut juste un truc plus simple, un modèle plus simple. Ah, il y a quand même du bleu là, du vert. Ah, j'hésite. Ah, du rouge aussi, pourquoi pas. Je sais pas, hein. A few moments later. Swan, t'as une idée toi? T'as pris quoi pour toi? Swan? T'es où? Swan? Eh oh! Swan? Swan, t'es là? Swan? Ah là, c'est pas vrai. Je t'ai caché où encore? Swan, t'es là? Où est-ce que tu t'es caché, hein? Tu veux jouer à cache-cache? On va jouer à ce petit jeu. T'es là, Swan? Ah ouais, oui. Eh oh! Bon, Swan, c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Swan? Ça y est, je sais où il est. Je sais que t'es là! Swan. Bon, ça ne m'amuse plus du tout cette histoire. Que je retrouve. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as disparu? J'ai trop de questions là. Je te cherche depuis tout à l'heure là, je suis dans le Ikea, je t'ai cherché partout. C'est quoi ce cirque? Et là j'ai reçu un appel qui disait Swan attend son grand frère Néo Loser. Non mais pourquoi tu rigoles? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait t'as mis 3 heures à choisir tes draps. Du coup moi je suis allée faire du petit shopping. J'ai commandé un McDo parce que j'avais faim. Et du coup en fait j'ai acheté tout ça avec ta carte bleue. Voilà, que t'avais bah, dans ton portefeuille que tu m'avais donné. Moi là, attends, mais déjà 3 heures, j'ai juste essayé de chercher pendant 10 secondes, t'es pas du tout passion. Et attends, non, tout ça là, tout ça, le McDo, le sac Fnac intégral là, avec, attends, mais il y a quoi dedans? Il y a plein de choses, il y a des gos, il y a un top géant. Il y a un top géant, mais ça t'a coûté combien tout ça? Sur ma carte, t'es malade. Je voulais pas t'acheter une peluche, mais là, c'est sérieux, ça t'a coûté combien? Ça a coûté combien? Et comment t'as fait? Bah, je connaissais quoi. Là, je crois qu'il est fâché. Bon, je rentre dans la maison et je vous montre ce que j'ai acheté avec la carte bleue de Néo.
Bah écoute, vu que j'ai acheté ma carte bleue. Bah oui, écoute. Alors du coup, en premier, j'ai acheté un petit top géant de Spider-Man No Way Home. C'est Spider-Man avec le déguisement d'or et noir. Non mais t'aurais pu au moins acheter ce pop en taille normale. Bah, là il est géant. Mais bah, il est géant. Bah, j'ai vu dans la boutique, c'est la première fois que je voyais. Il coûte 3 fois plus cher. Bah c'est acheté. Alors, ensuite du coup j'ai acheté une boîte Lego. Bah Marvel. Tu sais ces moments où on voit Thor qui joue à Fortnite avec Kang. Bon, celle-là, elle est stylée. J'aurais sûrement acheté pour moi, donc bon, là, je te dis rien, ça va. J'ai aussi acheté, voilà, en petit creux, une petite boîte de Pringles, hein. Ça va être original. On va la partager, ok? On va la partager. Voilà. Quand tu taxes sur tout, tu comprends. T'es gâté, hein. J'ai aussi pris un paquet de bonbons Super Mario. Pareil, on taxe. J'ai aussi pris des bonbons Coca-Cola, des Happy Cola. Oui, super, hein. Et pour finir, j'ai pris, voilà, un petit paquet de M&M's. On va se régaler, Swan, hein. Ah, finalement, c'est ça, bon, ça me dérange pas comme ça. Bah voilà, c'était contre ses couilles. Oui. N'oublie pas de vous manger. Et vous, on vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va sortir toutes les décos, il y en a plein, et redécorer la maison. Ça fait une grosse dinguerie. Bah ouais. Et si vous avez d'autres idées d'achat que je peux faire avec les cartes bleues de Léo, dites-le en commentaire. Attends, quoi? Wow. Bon, pense au pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et je vais m'occuper de ton cas. Allez, à la prochaine. Et celui-là, t'en penses quoi? C'est pas mal, fais voir la suite. Ah là, c'est bien. Plutôt comme ça, ouais. Okay. Ouais, là, c'est vraiment sympa. Ah, ça, c'est très rigolo. Et comme ça? C'est un peu long, non? Bon, plutôt comme ça, alors. Ouais, je pense que ça, c'est bien. Ok, donc on garde celui-là. Ouais, on garde celui-là, c'est mieux. Ça marche. T'entends? Bah, j'entends rien. Bah, justement, c'est pas normal. Les garçons étaient en train de faire les fous dans le jardin. J'entends plus rien, c'est bizarre. Tu veux les jeter? Pas mon signe, ouais, je vais vérifier, je reviens. Okay. Les garçons, vous êtes là? Ok. Les garçons, vous êtes dans le trampoline? Non plus. Les garçons, vous êtes par là? C'est vraiment bizarre. Bon, ils sont peut-être là-haut. Néo! Swan! Vous êtes là-haut? Ça a pas l'air. Et personne dans la cuisine alors que c'est l'heure du goûter. Vraiment très bizarre. Ça c'est quoi? Une partie de bonne paye interrompue. C'est vraiment louche. Chérie, c'est hyper bizarre. Non, pas du tout. J'ai fait l'extérieur, les deux côtés de la maison. Je suis allée voir les escaliers dans la cuisine. Ils ne sont nulle part et ils répondent pas. Ils doivent pas être bien loin. Hein. T'as essayé de les appâter avec un paquet de gâteaux? Avec un paquet de gâteaux? Ça marche, hein? Connaissant Néo, ouais, ça peut marcher. Je vais tenter avec des petits trucs au chocolat, là, comme il aime. On va voir. Alors, les appâter avec du chocolat, très certainement, ça pourrait marcher. Bon, non. Là, ça va pas leur plaire. Non. Ah, ça devrait faire l'affaire. Allez, go. Ils devraient répondre, les gourmands. Les garçons, c'est l'heure du goûter. Néo, j'ai les chocolats que tu aimes, là. Les Maltesers, là. Tu sais, les filles en chocolat comme t'aimes. Swan, c'est l'heure du goûter. Bon, à mon avis, ils sont dehors, hein. Allez, je vais tenter dehors. Les garçons, allez, c'est l'heure du goûter, là. Il y a les gâteaux au chocolat. Les garçons, c'est hyper bizarre, quoi. Bon, normalement, s'ils sont là, ils pourront pas résister à cet appel. Swan, Néo, j'ai votre goûter. Ok, il y a que le chien qui me répond. Ah, ils sont peut-être dans le coin des poules. Les garçons? Wouhou! Les garçons? Le goûter est là? Non? Youhou! C'est vraiment super bizarre. Ils sont nulle part. Attends, mais c'est une histoire de fou, là. Oh, bizarre. Je vais aller vérifier dans les chambres, quand même. Mon chéri, là, il y a vraiment un problème. J'ai fait tout le tour de la maison. J'ai fait l'extérieur, la piscine, le trampeau, les escaliers, tout. Je suis même allée voir dans les chambres des garçons. Il n'y a pas de garçons. Ça c'est sûr, ils sont pas là. Et par contre, dans la chambre de Swan, j'ai retrouvé cette BD Simpson toute démantibulée. Mais regarde, c'est tout ça qui est embêtant. Je te montre. Hein. Félicitations, Swan et Néo. Vous êtes les grands gagnants de notre concours pour remporter une villa de luxe. C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Il y a une photo. Voici les clés de votre nouvelle maison. Vous êtes chez vous. C'était dans la BD? Ouais, dans la BD abîmée, là. Il y a une adresse, regarde. C'est pas très loin de la maison. Ah oui, c'est à côté. Il n'y a pas les clés, hein. Il n'y avait que ça. C'est bizarre, ce truc. C'est un truc qui a fait Néo? Moi, ça me semble bizarre, quand même. Je pense qu'on devrait aller voir, hein. Ils sont pas là. Je trouve ça dans la chambre de Swan. C'est curieux, non? Ah, c'est vraiment bizarre. Tu crois vraiment qu'ils ont gagné un concours? Mais ils nous auraient rien dit. Ah, c'est sûrement une blague. Moi, ouais. Je vois bien un concours où tu gagnes une maison quand même, ça se saurait, quoi. C'est sûrement une blague. Ouais, c'est bizarre. Vous allez voir quand même par acquis conscience? Ouais, on va quand même aller vérifier parce que là, je les trouve pas. Néo répond pas sur son tel, hein. Donc c'est quand même bizarre. Et notre seul indice pour l'instant, c'est ça, c'est cette adresse. On va aller jeter un œil, c'est à côté. On tente? Allez, on y va. Allez, bon, on va aller voir ça. Prends bien l'adresse, hein. Ouais. On l'amène avec nous. Ça marche. C'est bon, t'as fermé la porte? Ouais, bien sûr. T'as mis l'alarme aussi?
vérifier par rapport au numéro de la rue, mais oui. Ouais, si, si, c'est là. Hein. Si, si, c'est ça. Oh. Ah. Je les entends. Je crois bien que j'ai entendu Néo. Ouais, ouais. Attends, ah, je viens d'entendre Swan. Ils sont là? Ils sont là. Attends, bah, sonnez, hein. J'ai une sonnette. Allez, on va tenter. Oh! Ça a sonné, Swan? Mmh. T'as entendu? Ça a sonné? Ah ouais! Il y a quelqu'un à l'entrée, attends bien. En plus, c'est un visiophone, comme ça ils vont nous voir. Ah bah oui. Youhou! Youhou! C'est qui ils sont en fait là, à ton avis? Je sais pas. Ils montrent bien qui c'est. Ouais, pareil! C'est hyper bizarre, hein. Quoi, t'as de nom sur la boîte à l'œuf? Non, non, y'a pas de nom, nulle part. Hyper étrange. Alors, voyons voir qui c'est. C'est quoi ce délire? C'est papa et maman? C'est quoi? Quoi? Non mais on fait quoi? On fait quoi? Je sais pas moi. On va y ouvrir. Mais t'es malade, mais pas ça. On fait croire qu'on est quelqu'un d'autre. Oui oui, vas-y. On va imaginer de voir comment ils nous ont trouvé. Réponds pas. Oh, j'ai trompé l'adresse. Raccroche. Vous êtes trompé l'adresse. Je sais pas si vous faites ici, mais c'est une trompée. Je vais me dégager s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Rappelle, on fait quoi? Si vous voulez bien que c'est pas d'ici, j'appelle la police. Bon. Je vous dis, c'est une propriété privée. Swan, je crois qu'on va avoir la vérité là. Ok, bon, on rouvre, hein. Oh, il rappelle, bon, Swan, appelle-lui. Bon, ok, c'est moi, Swan, c'est bon, hein, voilà. Mais Swan, tu te rends compte de ce que je viens de faire? Oui, on l'aura ouvert. C'est-à-dire que c'est fini la liberté, c'est fini de pouvoir jouer super tard le soir, de manger ce qu'on veut, de pas ranger. Je sais, mais au moins on aura avec la maman, la super cuisine de papa. Ah, ça va bien. Ouais, non, la cuisine, ouais, ok, bon. C'est quand même mieux que de manger des pots Nutella. Non, c'est bien de manger des pots Nutella. Bon, écoute, Swan, je te fais confiance, mais ça a intérêt à bien tourner, ok? On y va. On souffle, on respire. Ils sont bientôt arrivés. Ah, mais ils sont là. Ah bah alors. Les loulous. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Bah, comment dire? Théo, c'est toi qui me disais que tu voulais pas. Bah alors. Bah, on s'est vu ce matin quand même, hein. Ouais, on s'est vu ce matin quand même. Vous faites là, hein? On est chez un ami. Ouais, un ami, mais c'est qui? Ah bon, mais parce que dans la chambre de Swan, on a trouvé le papier qui disait que vous aviez gagné une maison. Mais c'était une erreur. C'est une blague. C'était un prank que j'ai fait à Swan. C'est ça la maison? Attends, c'est super. Non, mais c'est pas la nôtre, c'est un pote. Mais c'est un pote. Mais pourquoi vous avez fait ça alors? Super maison. Non, ça c'est un prank pour ma vidéo que j'ai faite avec Swan. Un prank? Il y a même une piscine, chérie, regarde. Attends, une super maison toute propre. Pas nous. Toute nettoyée. Présente-nous à tous nos amis. Ah ouais, attends. Non, mais ils sont partis là. Ils sont en train de courir. Ils sont partis. On dort ici en fait. Donc ils ont acheté des choses en fait, pour manger. Ils nous ont laissé notre maison pour 3 mois, le temps qu'ils partent en vacances. Notre maison, mais non, leur maison. Ah oui, voilà. C'est pas clair, hein. C'est quoi ces histoires? En gros, ils nous ont laissé leur maison pour 3 mois. Donnez-nous le téléphone des parents là qu'on les appelle. Bah mais oui, on a pas les numéros, hein. J'ai oublié. Oui, ça, vous avez oui, pas je suis un peu des numéros. Mais j'ai oublié. Il est vrai ce mensonge. C'est louche, hein. Mais, c'est pas un mensonge. Moi, j'aime bien la maison, par contre. Ça, c'est un prank. C'est un prank. Ouais, je suis bien pranké, ça. On va rentrer, vous allez nous puisque là c'est pas clair, hein. Ouais, c'est pas à nous, on peut pas rentrer. On va discuter à l'intérieur. Comment rentrer, c'est pas à nous. Vous pouvez pas rentrer, vous êtes dans leur piscine, dans leur la jardin. Porte est ouverte. Je vois les affaires de Swan à l'intérieur. Non, mais... Ok, d'accord. Ça tient pas c'est debout, bizarre, hein. L'histoire, hein. Ça tient pas debout. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors c'est quoi cette histoire de maison là? C'est joli, hein. J'aime bien. Bon, écoutez, c'est tout neuf, hein. Ouais, oui. C'est chouette. En fait, on a gagné une maison. Ça peut paraître fou comme ça, mais on a vraiment gagné une maison. Oui, c'est incroyable ça. Et vous avez joué au loto? Ça peut paraître fou, mais donc, ça fait déjà plusieurs mois que c'est comme ça. On a commencé un peu à aménager, on s'éclate dedans, voilà. Ouais. Mais ça reste notre maison. Les petits cachetiers. C'est super ça quand même. Ouais. C'est une bonne nouvelle là, c'est ouais, par contre, c'est notre maison. Oh, mais alors là, aucun pas de problème. Hein. Nous, du moment qu'on sait où vous êtes, il n'y a pas de soucis. Génial. On ne compte pas du tout s'imposer. On est content pour vous, hein. Ah oui, on est très content pour vous, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est vrai. Oh, ouais, j'avoue. Oui, non, mais rassurez-vous. C'est autrement, on est content pour vous, hein. Ouais, bah, on sait jamais quand même. T'avais peur de quoi? Bah, je sais pas, vous imposez vos règles, des choses comme ça. Ah non, c'est chez vous, c'est non, chez non. Vous, c'est chez vous. Ah, non, on s'impose pas, et puis on change rien, on touche à rien. Tant que vous faites pas n'importe quoi, hein, pas de soucis, hein. Et puis on va pas vous envahir, hein, vraiment, nous, on va repartir, voilà. Génial. Ouais, c'est juste la piscine, par contre. Ouais, c'est bien la piscine, hein, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est à nous quand même. Vous pouvez profiter de notre piscine qu'on
imaginez. Ah. Oui, bien sûr, mais celle-là est plus propre. Mais ouais. Bah, vous avez qu'à nettoyer l'autre. Oui, bien sûr. Mais d'accord, non, mais c'est votre piscine, votre maison, on a bien compris le message. Ah, oui, ça, on l'a compris. Surtout, vous pouvez compter sur nous pour être vraiment des modèles de discrétion. De discrétion. Bah, surtout pas vous envahir, hein. Vraiment, c'est chacun chez soi. Hein. Vraiment, ok, bah écoutez, on peut vous laisser du coup rentrer à la maison, passer une petite soirée. Allez, un petit câlin, puis on se rentre. Voilà, super. Bonne soirée. Bah, demain, du coup, je pense. Ouais, à demain. À demain, profitez bien. Merci. Allez, à demain. A few moments later. Ok, c'est bon, du coup, vous êtes prêts? Yes, d'accord. Ouais, les chips, tout ça, vous ramenez quelques trucs. Super. Ouais, bah écoute, on devrait être à peu près 20. Ok, nous on est prêts en tout cas, on vous attend. Allez, à toutes. Super, ça va être parfait pour la pool party. Et n'oubliez pas le maillot de bain. Oh, le maillot de bain, bien sûr, ouais. À soir. On va s'éclater, ça va être trop cool. Bien. Ah, j'envoie les premiers arrivés. Ouais. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Mais ils avaient dit qu'ils n'envahissaient pas, qu'ils étaient discrets. Alors? Elle est bien? Elle est trop bonne. Ah! Chacun ses soirs. Mais il y a des gens qui vont arriver là dans quelques minutes, comment on fait? Tu vas me baigner? Ouais, je vais tenter. Comme elle est propre. Ah ouais? Trop belle. Soin, je t'avais dit qu'il fallait pas la laisser entrer. Oui, mais bah, je sais. Ça change de la nôtre, hein. Ah ouais, mais on est bien ici, dis donc, hein. Elle est super, bien éclairée. Elle est super chaude. Ah ouais, ça va, dis donc, elle est super. Et tu t'as vu qu'il y a des petites marques et tout. C'est pas vrai, on fait comment? Elle est pas changée, hein. Non, mais je pense que pour cet été, on va être bien, là. Ah ouais, on va être bien, hein. Ouais, ouais. Tu sais quoi, on va s'amener des gonflables. Ouais. Il reste des gonflables licornes et sirènes, là. Bonne idée. On va pas être trop les gêner, non, les garçons? Non. Non. On sera discrets. Salut Swan. Yahoo. Comment ça va aujourd'hui? Bah, super. Mais vous allez bien aussi. Aujourd'hui, il est grand temps d'aménager notre nouvelle maison. Bah oui, enfin. Donc, tout le matériel là, on est pareil, prêt. Let's go, Swan, est-ce que c'est chaud? Bah oui, alors juste Léo, si on est sur pizza, c'est parce qu'en même temps, on fait un magasin de pizza où on mange que des pizzas. Et aussi, je pense que vous avez vu la vidéo, mais s'il y a une boîte éco et un pop géant dans les décos, c'est parce qu'en fait... Swan a volé ma carte bleue et il s'est acheté tout ça juste pour lui. Et du coup, on les a quand même pris pour la vidéo, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir. Parce que moi, j'aurais bien pu le rembourser, hein. Mais je t'ai pas du tout volé ta carte bleue, tu me l'as donné volontairement. Non, mais je te l'ai confié, je t'ai pas les utiliser là. Voilà. Ça va être une super vidéo, je pense, parce que vraiment, on va pouvoir personnaliser tout ce qu'il y a dans cette maison, décorer, voilà, on va pouvoir acheter notre style, on va dire. Bah oui, hein. C'est parti, juste avant que ça commence, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas notre jeu de chance, la vidéo chart. Voici votre salle à manger. Avant la nouvelle déco. Donc il y a le point repas. Et il y a tous les rangements. Et voici votre salon. Avant la nouvelle déco. Ah, il y a même une cheminée, trop bien. Et voici ma chambre. Donc d'abord le lit. Oh, attention, voyez. Là, mon bureau. Et là-bas, ma salle de bain. Voici notre cuisine. Alors bien sûr, avant qu'on ajoute plein de nourriture et plein de fun. Ouais, par exemple, regarde dans les placards, ça manque un peu de donuts tout ça. Ouais, on va vite changer tout ça, hein, je vous rassure. Il est temps de modifier. Donc à Néo, c'est en gros, on va stocker nos meilleurs verres, nos meilleurs mugs. Ouais, t'as raison, ouais, ça va être sympa. Du coup, là, c'est ma chambre, avec mon petit coin bureau, hein, voilà, pour faire mes devoirs. Et il y a ma baignoire préférée, parce que on rebondit, c'est normal. Et là, il y a ma salle de bain, avec la preuve que cette chambre est ma chambre. Regardez. Il y a un Swan. Voilà, c'est pour ça que c'est ma chambre. C'est une salle de bain bien sympa, avec le bain, la douche. C'est vraiment une très très belle salle de bain. Donc là, c'est notre pièce préférée. Avec le salon, super salon, le bureau. Le bureau géant. Alors ça, bien sûr, c'est avant la déco. Ça va être génial. Et c'est pour une soirée très normale. Regardez. Ouais, c'est un peu ça, tu me mets en ambiance, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Du coup, c'est tout rouge. On peut aussi faire les soirées anecdotes, donc moi je vais être en bleu. Il y a toutes les couleurs, en fait. Il y a tout prévu, les choix aussi, surtout. Et ici, c'est la chambre d'amis. Donc là, regardez, on a le lit. Alors Sony l'adore, Sony. Il est hyper bien amoureux. Ah, et ici on a la salle de bain. Oui, bah oui, la super salle de bain. Franchement, c'est carré. Et ça, c'est avant un peu dégoût. Alors Néo, du coup, pour commencer, on a ton fameux chapeau. Sérieux, non, c'est conservé ce truc. Oui. C'est une passoire, bref. Ensuite on a des pots. Ouais. Moi aussi du coup on a des bouchons en bois. Encore un bouchon en bois. Ensuite là on a. Pourquoi t'as acheté ça là, sérieux? C'est quoi ce truc? Délire. En gros c'est un entonnoir double. Ça pour les couverts ça. Tu as des ciseaux ici. Oui. Bah c'est des draps, ça, évidemment, pour dormir. Ah c'est des draps. Ah oui, tout ça ce sont les draps pour dormir. Là on a les cintres. Voilà, on a fait un sac. Ça tu vois c'est un trap néo. Non, c'est une poêle. Et là on a des bougies. Tu voulais pas acheter ça moi? Pourquoi t'as acheté des bougies? Tu voulais mettre tous les bougies là. Je teste toute la partie vaisselle.
Ensuite, on a des petits bols transparents en verre. Donc là, on est tout. Et là, sur la grosse partie cuisine, du coup, tout ce qui est vaisselle, pot en verre, verre, assiette et bol, on a tout le matériel. Bon, Swan, ça, c'est toi qui rangeras tout ça. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, si j'avoue. Donc, tu géreras, ok. Personne n'a envie de ranger. On a les saladiers, bon, y a tout. Voilà, donc là, c'est vraiment tout le matériel cuisine. Pourquoi t'as acheté cette peluche quoi, vraiment? T'as pas cette peluche. Mais oui, je te l'ai acheté parce que tu me l'as demandé, t'as forcé là, je te fais faire plaisir. Mais... Alors là, on est sur plein de trucs. Bon alors il y a des choses vraiment sympas, mais il y a des choses où je suis en mode pourquoi Swan t'as acheté ça? Ah, ça sympa, ça j'aime bien. Je trouve bien. Franchement tu mets ta petite poisson dedans, c'est trop cool. Swan, là j'ai des questions. Pourquoi tu as acheté ça? C'est pour Queen, c'est bien. Ça lui correspond, tu vois, c'est sa photo. C'est pas un chat, c'est un tigre. Des garlandes. Ça c'est stylé, les garlandes ça va être cool ça. Ouais, on a aussi pris des pailles incroyables. Ouais, c'est cool, ça aussi une paille. Ouais, bon. Alors Swan, est-ce que tu peux ouvrir ça, s'il te plaît? Ah oui. Voilà, je veux qu'on voit un peu pourquoi. Je te passerai pas ma carte bleue tous les jours en fait. Pourquoi tu as acheté cette tortue, Swan? Tu peux m'expliquer? Mais c'est trop stylé. Mais de quoi c'est trop stylé? Ça fait penser à toi. Voilà, ça n'a aucun sens. Et c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Ça c'est Koh-Lanta. Je sais que t'es fan de Koh-Lanta, mais faut pas abuser là, personne. Il y a un juste milieu. Hein. C'est stylé, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bon, il nous reste des cartons à ouvrir maintenant. Et on a eu des verres. Et là ensuite on a des ustensiles. Donc ouais, ce sera pour la cuisine, hein. Pareil, classique on va dire. Et ensuite ici on a la bibliothèque de Swan, donc ça va être un bon gros meuble. Parce que Swan va évidemment monter totalement tout seul. Quoi. Peut-être. Non, juste tout seul. Mais pourquoi tout seul? Voilà, je rigole, je vais venir t'aider, t'inquiète. Et bah, du coup, Swan, qu'est-ce qui manque? Bah, la décoration. Let's go! Ok, c'est parti! Non, mais la vaisselle! Non. Arrête de chanter, là, s'il te plaît, 30 secondes. Non, mais j'en peux plus, vous dites que tu lâches tout le temps, là. C'est quoi ça? Mon touilleur. Mon préféré, tu viens de péter. Non. Ne parlons pas de nous. Il donne des frissons. C'est toi qui donne des frissons gênants là. Arrête, Swan. Il m'a dit que mes cheveux. Non. Tout ce qui est matelas, couette drap et tout. Dans la chambre. Alors, essaie de deviner dans quelle chambre ça va. Là, c'est la tienne, ce qui est de lit. Et là, c'est soit la mienne, soit la chambre d'amis. Donc, vas-y, je prends celle-là pour moi. Okay. Hop. Et après, c'est la chambre d'amis. Allez, c'est parti. Il est temps de faire le lit. Hop là. Yeah, trop bien. Let's go. C'est parfait, c'est magique, c'est qu'est-ce qu'il faut. Et maintenant, on va s'occuper de ma chambre et de mes toys. Vous avez vu? C'est magique, hein? Et c'est que le début. Et je vous avais dit que c'était magique. Et maintenant, on va mettre les puces. Prêt pour le deuxième? D'abord, on va enlever les puces. Et maintenant, deuxième étape. Et voilà! Et maintenant, on peut mettre les puces. Du coup, j'ai mis les coffres ici et Guimauve, on va les mettre à un autre endroit. J'ai fini ma chambre! Ouais, bon, j'ai pas fini, j'ai juste fini. J'ai encore plein de trucs à faire. On va s'occuper de cette étagère. Attention, fermez les yeux! Et voilà, j'ai fini! Ok, maintenant je vais m'occuper du montage de la bibliothèque de Swan. Ça y est, Swan, j'ai terminé ton meuble. Voilà, c'est carré. Ok, on va voir quel pauvre je vais mettre dedans. Et tchao, c'est bon, j'ai fini. Et surtout, attention à vous, j'ai une super épée. Vous auriez reconnu, c'est la Master Sword. Et du coup, bien sûr, il y a Yin à côté avec sa Master Sword à lui et son bouclier Yin aussi. C'est le pop et la boîte de Lego que j'ai acheté avec la carte bonne Néo. Mais bon, chut, il a oublié, je pense. Maintenant, la cuisine. Bon, il y a beaucoup de choses à ranger, mais heureusement, on a la magie. Il y a un petit problème technique avec la magie. Bon, vous n'avez rien vu, hein. 2 minutes et c'est nettoyé. Allez hop, clap, et voilà. Ça vous plaît? Ouais, vous avez vu la magie, c'est cool, hein. Et franchement, moi j'aime bien. Ça y est les potes, on a enfin terminé toute la déco de la maison. Alors on a refait toute la déco, hein. Ça tu nous montres? Ouais, here we go. On commence direct avec des petits coussins. Un, deux, quatrième boule de cristal, si je dis pas de bêtises. Oui, bravo Swan, parce qu'il y a 4. Swan, le plus important là, c'est les posters. Ah. C'est
magnifique le rendu, franchement, je surkiffe. On a Naruto, Hunter x Hunter, enfin Hunter x Hunter pour les puristes, et My Hero Academia. Ouais, comment il s'appelle lui? Bah, Puden Naruto. Ah bon? Oh, t'es trop fort, Son. Ah ouais. Vas-y, Son, un peu plus dur. Là, en haut, il y a Yo-Yo, ensuite Kamiya, ensuite Kiroa et Gon. Et là? Alors là, ça c'est dur, hein. Je m'en souviens que de 4. Alors oui, déjà, je m'en souviens pas. Quoi? C'est Izuku, ah oui, Midoriya. C'est vrai. Et oui, du coup, c'est Shoto, Katsuki, enfin, il y a All Might aussi, et lui, je connais pas son vrai nom, mais c'est son nom de héros, c'est Eraserhead. Ensuite, là, on a Momo, là, on a Mineta, là, on a Tenya, Oshako, et là, je m'en rappelle plus du tout, non plus. Et aussi, une petite statuette de Koh-Lanta. Ah! Des distributeurs de chewing-gum, 1, 2 et 3. Voilà, si et 4. Ah oui, 4. Les chutes comme, c'est la vie. Et sinon, ici, on a une petite déco Harry Potter. Ok, donc là, c'est ton perso préféré, bien entendu. Il y a Grenouille Chocolat. Choco-Grenouille. Ensuite, il y a Dumbledore avec Dumbledore. Edwige. Ensuite, c'est Harry Potter géant avec Edwige. Là, il y a le Phoenix, comme tu l'as oublié. Ah oui, c'est vrai, c'est fume sec. Ouais. Du coup, on a Lord Voldemort avec Nagini. Et on a bien sûr le Basilic. Et ici, du coup, il y a le coin Star Wars avec Grogu. Et Boba Fett en papillon. Et... BB-8. Ouais, BB-8. La Swan, c'est quoi? Alors déjà, il y a ma fameuse tortue, voilà, que j'ai... Bon, ok. Il y a Kissimissi et Huggy Wuggy. Donc voilà, là, je pense qu'on a fait du coup le tour du salon. Franchement, ultra stylé, bien thématisé. Ah, il y a aussi les fantômes, là. Alors, Swan, est-ce que t'as tous les noms? J'en ai aucun. Clyde, Inky, Pinky, et là, vous me direz en commentaire. Personne ne se souvient sans noyer. Là, on va appeler ça la triche essayée. Avec deux Pokémon géants en argent. Bulbizarre et Pikachu. Ouais, voilà. Il y a des décorations pour faire une pizza. Bien sûr. Et le chat avec une pizza. Bah oui, attends, on va thématiser à fond la pizza. Hein. Et un cadre Pokémon aussi. Du coup, ensuite, on rentre dans la chambre. Non, 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 c'est ma chambre. C'est ma chambre. Juste une fois, vous mettez un pouce bleu et je vous laisse rentrer, ok? Et voilà ma chambre. Oui. Tadam. On sent quand même l'amour des M&M's. Mais voilà, petite statue M&M's. Là, on a mon bureau avec une petite statue de Link, des Pokéballs. Donc, Son, tu vas essayer de deviner tous tes Pokéballs. Pokéball, Hyper Ball, Rapid Ball, Honor Ball, Lux Ball et Super Ball. Oh là là, le BG, Swan, bien joué, il a tout trouvé. Alors, un petit Pikachu peluche venant du Pokémon Center japonais. Là on a Reflex, là on a encore Reflex. Bon, c'est pas que ça me représente, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Là on a le Gantanos. Un petit coussin One Piece aussi. Ouais, Ectoplasma, un Stormtrooper, Salamèche. Là on a encore les peluches Pac-Man avec Pac-Man lui-même. Et là on a deux posters, Fairy Tail et DBZ. Avec Goku sur Shield et Fairy Tail, par contre, je connais pas les autres. Bon, les plus perso, Happy, Natsu, Grey, voilà quoi. Jeu d'échecs, on les voit Harry Potter si les besoin. Ouais, voilà. Bien sûr que j'adore. Ça te va, la pioche anti-swan. Alors, ne me demandez pas à quoi ça sert, elle est là. Bah, en gros, c'est la cloche anti-Swan. Voilà. Là, sur la déco Star Wars, je me suis fait plaisir. Alors, ouais. Juste enlever le meuble Swan. On a Capitaine Phasma juste ici et Darth Vador. Capitaine Phasma, c'est la personnage, du coup, la capitaine des Stormtroopers dans le film avec Kylo Ren. On a fini avec ma chambre, du coup, ce dont on fait quoi maintenant? On va voir la cuisine. En vrai, c'est en vrai, je vais faire visiter aux amis. Voici la tempête de fleurs, plein de colis de fleurs entassés. Ouais. Alors, je vais faire le même avec Macron, pour ceux qui ont la ref. Allez, on va venir au rez-de-chaussée, du coup. Tadam. Tadam. Alors, la cuisine, on a vraiment mis la dose niveau des coups. Ouais, j'ai envie de voir. Du coup, on va commencer avec des Fruit Loops, des Lucky Charms, avec une unicorn. Des céréales du matin. Voilà. Ensuite, des noix de coco pour boire du lait de coco, voilà, évidemment. Et aussi des paillettes tressillées, voilà, dans un verre Mario. Un sac Game Boy Color. C'est le sac pour le goûter. Des tasses Lego, souris en chocolat, zombie Minecraft avec le petit zombie sur son poulet. Voilà. Mmh. Et le zombie lui à joie aussi. Ensuite, encore un PP8, un chat et un oiseau. Et un bol Minecraft Creeper TNT. Des bols. Voilà. Et on a aussi deux gentils lapins. Un lapin noir, un lapin blanc pour le sel et le poivre. T'es dit 20 fois de pas faire peinture dans la cuisine. Ah oui, désolé. Franchement, Fred, normalement, ça me saoule. Bon, on va tester une petite déco. Voilà. On a aussi des, une cuillère cochon. Une cuillère cochon. Les coupes pizza, notamment, et à hache, un des préférés. Et on a aussi la pure. Bouffe tout en coupe pizza. Alors, Swan, les coupes pizza, c'est mon domaine. Et là, l'un des préférés, R2D2. On a aussi un petit croco qui s'est perdu. Ouais,
ok, j'ai failli me faire manger les doigts. Un marteau de Thor. Voilà, un petit Sega tueur. Un verre Iron Man, un verre Rick et Morty, un verre Mario, Monsieur Jack, Luigi, One Piece, Sailor Moon, Iron Man et Harry Potter. Et ici, on a une allumette. Pas du tout, un briquet, enfin. Une allumette géante. Un briquet, soit dans la réalité. Stylé, hein. Original. Et du coup, on a aussi un petit distributeur de Sopalin avec Christo Sopalin. On a Mario, du Zelda, du Rick et Morty, du Marvel, du Swan et Neo. On a quand même une autre mug dans la collection parce que franchement on est grave fiers de l'avoir. Petit mug Minecraft. Là on est vraiment que sur quasiment du 100% Minecraft. Il y a juste un peu de Harry Potter sur le côté. Ici on a encore du Minecraft sur les gourdes. Et là on a du One Piece. Donc là on a l'équipage de Shanks le Roux, là de Trafalgar Law, là de Luffy. Et là, la barbe blanche. Ouais exactement, ça va être barbe blanche pour tout capter. Là on a des assiettes Minecraft. Et là du Pac-Man. Prêt pour la pizza. Et oui, avec le gant de pizza justement. Ah oui justement, hein, voilà. Et là on a une poche de notes. Ça c'est ce que je préfère quand on fait les pizzas. Le chapeau du pizzaiolo. Pizzaiolo. C'était un pizzaiolo qui ne voit pas grand chose. Du coup, on a fini pour la cuisine. Ouais, salut tout le monde. On monte à l'étage, c'est parti. On commence par là où il y a un magnifique sport géant Spyro. Voilà, qui est ici. Ah oui, c'est un bon délire. Voilà. Ces coussins, Swan, t'as pas eu des bonnes idées, je trouve, pour la chambre d'amis. La déco, c'est des crottes. Bah, comment ils sentent là, les invités, quand ils voient cette chambre? Et la salle de bain, du coup, bah, on a quand même une petite thématique. Tige et douche. Parfait, voilà. Tout cassé. Ensuite, du coup, on a la grande salle du salon. Bon, du coup, vu qu'il fait nuit, vous n'avez pas la magnifique vue ensoleillée, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans. En tout cas, on a quand même les LED colorés, donc là, finalement, c'est le bon moment de la journée pour vous les montrer. On peut aussi changer à volonté. Tu peux nous montrer un peu petite ambiance, voilà, ambiance très d'horreur. Notre ambiance, Swan. Ambiance vert. Ouais, ambiance détente. Ambiance ensoleillée. En vrai, pour les films, cet endroit, c'est incroyable. Ouais, du coup, c'est directeur Donuts. Voilà. Et il adore ce bureau. Alors, ici, du coup, c'est le coin Lego. Donc, il n'y a aucune boîte pour l'instant qui a été construite. Alors, ça, ce sont de nombreux projets prévus pour ma chaîne Neo The One. Je vais construire toutes ces boîtes en vidéo. C'est pour très très bientôt. Vous inquiétez pas, les potes. Là, j'ai vraiment du pain sur la planche. Regardez la méga boîte Lego Harry Potter. Ici, j'ai une petite maison. Là, j'ai Edgy, c'est d'ailleurs. La boîte est à l'envers. Voilà. Et ici, on a Sesame Street. Ah oui. Et pour terminer, on a des petites boîtes Lego Adidas. Oui. Mais écoutez, ça c'est un peu plus la surprise. Je vous montre tout ça. On se spoil pas, c'est sur ma chaîne Neo The One. Du coup, bienvenue à la fête des sucreries, un endroit préféré de Léo. Et oui, là ce sont mes sièges Donuts et Guimauve. Et alors, je ne parlerai pas de ce cactus insupportable que Swan a mis. Swan, franchement, pourquoi t'as foutu ça dans la salle? Swan, t'as pas une salle un peu particulière à montrer là? Ah bah si, bien sûr. Je crois, hein, une salle très importante. Parce que si tu la montres pas, en fait, tu vis pas ici, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Ok, here we go. Pour ma chambre. Le meilleur de cet appartement, finalement. Du coup, on a l'arche villageoise de Minecraft Donjon. Et Aki qui est aussi de Minecraft Donjon. On a aussi un œuf de Yoshi, une figurine de Mario. J'ai aussi des galants, voilà. Et bien sûr, un poster Undertale, voilà, ça c'était impossible. Du coup, là, c'est mes deux lits, voilà, au cas où il y a un ami qui passe. On commence avec mon premier lit, avec plein de peluches et surtout ma lampe. Voilà, qui fait du bruit. Mario, bah, c'est... on va dire que c'est un des gardiens de lit. Ensuite, du coup, entre les lits, il y a un coffre à piéger. Faites gaffe, ne l'ouvrez pas, sinon ça active la TNT juste en dessous. Et ensuite, on a deux autres gardiens de lit, Kirby et Pikachu en mode Rayquaza. Mais ah oui, on a aussi une photo Marvel, enfin un poster Marvel. Là, c'est tout Marvel, vraiment. Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, Hulk, Captain Marvel, Gamora, Thanos, Ego, War Machine, Modok, La Flèche Noire, Venom, Kaïde, Octopus, Moon Knight, Sentinel, Cadre Rouge. Groot, Hoffman, Spider-Man, Drax, Marvel. Star-Lord, Nick Fury, Vision, ouais. Vision. Ouais, ça va. Ant-Man, la guêpe, Pinscher. Ouais, on a dit pas mal. Du coup, ici, on a mes étagères avec mon épée anti-Léo. Ok, c'est bon, je me dégage de la chambre. Ouais, c'est bon. On a aussi, du coup, Link, le gardien de la chambre, avec une autre épée anti-Néo. Un pop Spider-Man No Way Home géant. Et un pop Groot géant aussi. Et là, c'est mon étagère à livres, avec une boîte de Lego Marvel. Évidemment, journal d'un youtubeur 1 et 2. Swan et Néo et Empereur des Ombres. Magazine Swan et Néo, de nouveau. Et toutes les BD Swan et Néo. Du coup, voici mon étagère à pop, spécialisée dans les pop, évidemment. Avec un pop Hulkbuster, super cool. Un pop Hulk Immortel, hyper cool aussi. Un pop Doctor Strange robot, un pop Captain Marvel en mode street art, un pop zombie Captain America géant, Hulk Gadgetin géant, toute la série Infinité. Alors, pierre de l'espace, pierre de l'esprit, pierre du temps, pierre du
pouvoir, je dirais. Ça, c'est la réalité. Ouais. Non, ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Ensuite, du coup, c'est pop un peu moins spécialisé. Avec Nightmare Freddy de FNAF. Blue Bomber d'un jeu. Bah, très ancien. Ensuite, on a Morty avec le cristal de mort de Rick et Morty. Cartman en sorcier de South Park. Et on a Google de Ralph. Sympa. Et on a bien sûr mon meilleur objet dans ma salle de bain. Un swan. Un petit swan. J'en suis sûr que tu attendais de faire cette blague depuis le début de la vidéo. Oui. Et là, on a R2D2. Bah oui, R2D2. On a aussi Dark Vador, un autre Dark Vador. Ma brosse à dents Mario. Et voilà, c'est fini. Ah oui, il y a aussi cette immense Pikachu. C'est l'heure du. Ouais, mon petit Léon. Allez, c'est la chasse à Léon. Bon, ouais, écoute Swan, je pense qu'on a terminé notre visite de notre maison après toute la décoration. Franchement, est-ce que ça te plaît? Franchement, elle est super bien. Moi, je la surkiffe, je trouve que c'est magnifique. Il y a tout ce qu'on kiffe, Marvel, que ce soit les animes, les jeux vidéo, le gaming, tout ce qu'on aime, c'est trop cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez-vous, et surtout, à bientôt. Bisous, bye tout le monde. À la prochaine des potes et mettez-nous un avis en commentaire pour savoir ce que vous en pensez de notre nouvelle maison. Ah oui. Et pour vous, c'est laquelle la meilleure chambre entre la mienne et celle de Néo? En tout cas, à la prochaine.